Ou peut-être bonsoir à ceux qui sont sur YouTube, parce que je remettrai bien sûr la rediff sur YouTube comme d'habitude. Et donc nous allons nous faire du Mass Effect tout de suite. Je publie les posts un par un. Voilà, on va faire en fait c'est un petit peu le retour à la. Un peu comme l'élève que je faisais avant, c'est-à-dire du rétro gaming, mais bon. Sauf que là, je vais me faire la trilogie. J'ai Mass Effect 1, 2 et 3 dans ma bibliothèque. Et donc, il faut que je les fasse. Il faut bien que je commence un jour ou l'autre. Donc voilà. Ça va être parti pour le faire. Donc, déjà, on va faire une nouvelle Bienvenue dans carrière. la base de données de l'Alliance. Requête d'information classifiée. Donc j'ai déjà commencé un peu le jeu, j'ai lu les tutoriels, etc. pour savoir comment jouer, Connexion etc. sécurisée en cours. Donc le jeu est un peu Connexion compliqué ce sécurisée que j'ai vu. confirmée. Mais voilà, ça n'a pas l'air d'être trop compliqué non plus. Veuillez vous identifier pour accéder à votre profil. Roger. Roger Shepard. Donc le jeu n'est pas en 1920, enfin 1920 par 1080. Enfin, il n'y a pas Avertissement, données de corrompues. résolution comme ça. Donc c'est en 4 tiers pour vous, je suis désolé, mais bon. C'est le seul truc que j'ai trouvé de meilleure qualité pour vous. Veuillez reconstituer votre profil. Oui. Confirmez votre historique prémilitaire. Donc on sera stellaire. Donc vos parents étaient tous deux militaires de l'Alliance. Vous avez passé une enfance itinérante. Au gré de leur mutation, jamais plus de quelques années à bord du même vaisseau, de la même station. À l'âge de 18 ans, vous avez suivi les traces de vos parents en vous engageant dans l'armée. Donc voilà, Confirmez je votre choisis profil psychologique. ce type-là. Nous serons un rescapé, alors stellaire rescapé. Durant votre service, je crois que c'est ça, ouais. Durant votre service, l'une de vos missions s'est transformée en cauchemar. Face à une situation quasi désespérée, vous avez dû résister à des traumatismes physiques et psychologiques qui auraient dû briser le coma des mortels. Tandis que vos coéquipiers mouraient l'un après l'autre, vous êtes le seul à en avoir échappé. Confirmez votre spécialisation Et donc nous militaire. allons rester un soldat. Donc le soldat est un spécialiste du combat particulièrement efficace en première ligne. Il dispose d'une santé accrue et peut maîtriser tous les types d'armes. Il commence avec la capacité de porter une armure médium et peut se spécialiser dans les armures lourdes. Et vous savez que j'aime bien quand c'est très lourd. Confirmez votre identification faciale. Donc on va juste modifier un peu sa phase de paix. Alors, il y en avait une qui me plaisait, c'était celle-là. Donc voilà, ce qui est bien, c'est qu'au moins, au niveau du... Au niveau de la création de personnage, on va pas passer 2 heures. Donc je sais à peu près ce que je veux. Voilà, celle-là. La cicatrice, celle-là, on va la garder parce que bon, c'est un rescapé, donc il a forcément des cicatrices sur la gueule. Voilà. Taille du visage. Hop, épaisseur du cou, c'est bon. Prominence des joues, hop, je creuse. Taille des oreilles, on va garder comme ça. Orientation des oreilles, hop. Et les yeux. Forme des yeux. Alors, la forme des yeux, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais. Genre, ils se sont un peu chiés dans la bulle, comme on dit. Parce que putain, bordel de cul, qu'on a du mal à se faire des yeux plutôt jolis. Enfin, peut-être qu'à l'époque, c'était plutôt bien. Voilà. Non, je voulais la mâchoire qui était en dessous, là. Merci. Hauteur du menton. Hop. Proéminence du menton, bam. Comme ça, moi, j'aime. Voilà. Largeur du menton, bien sûr. Hop. Un petit peu. Largeur de la mâchoire. J'aime quand les mâchoires sont bien robustes. La bouche, je crois que j'avais pas changé beaucoup de choses. Je crois que j'avais mis celle-là. Ça, largeur de la bouche. Regarde-moi toi. J'avais mis ça, taille des lèvres. Hauteur de la bouche, pas trop près du nez. Parce qu'on pue de la gueule, faut pas l'oublier.
Je crois que j'avais pris celle-là. Ah, celui-là, c'était le mieux. Les nez, par contre, ils sont moches. Hein. Oh là là. Je sais pas ce qu'ils se sont fait aussi au niveau du nez, mais bordel de cul. Un sourcil. On va garder celle-là. Cheveux. Cheveux de coupe militaire. Hein. Couleur de cheveux noirs. Pilosité. Hop. Ah, mais y a pas la barbe là? Ah, si, c'est la barbe là. Ah, normalement, il faut un bouc. Est-ce que c'est le but de mes personnages, moi, d'avoir un bon bouc? Le problème, c'est que je crois qu'il n'y a que ça comme bouc. Ouais, c'est plutôt pas mal. Voilà. Regarde-moi. Regarde-moi. Non, là, voilà. Reconstitution de Bon, profil bah là, c'est plutôt terminée. bien. Donc là, on peut lancer. Maintenant, à partir de maintenant, on peut lancer. Une fois que vous aurez confirmé, oui, ta gueule. Identification confirmée. Difficulté des combats normales. Choisir entre une partition automatique ou annuler des points à chaque fois que le personnage progresse d'un niveau. Alors, commando uniquement, donc ça veut dire je crois que ça veut dire juste mes alliés en fait. Et comme déjà au début du jeu, je vais être complètement perdu, on va laisser ça comme ça. De la visée normale, talent, sous-titre, oui, hop. Difficulté des combats, normal. Voilà. Et donc, on commence enfin. L'histoire de Roger Shepard. Pendant que je bois Shepard, mon café. c'est un stellaire, non? Il a passé toute sa vie dans l'espace. Ses deux parents étaient dans l'armée. Il a ça dans le sang. Il a vu toute son unité mourir sous ses yeux à Akuzé. Ce genre de choses, ça vous poursuit toute une vie. Tous les soldats ont leurs cicatrices. Shepard est un survivant. Peut-on vraiment confier la protection de la galaxie à ce genre de personnes? Si Bien quelqu'un sûr. peut le faire, c'est justement ce genre de personne. Il n'y a que Je vais moi. prendre ma décision. Donc la sécurité de la galaxie, apparemment. J'ai enfin Rockstar qui me répond pour le bug de GTA V, donc vous savez pas de quoi je parle. Tant pis pour vous. Mais voilà. des explorateurs qui découvrent sur Mars les vestiges d'une ancienne civilisation. J'ai pas eu le temps de le lire. La première fois que j'ai lancé le jeu, j'ai pas eu le temps de le lire, mais à mon avis, c'est pas très important. Alors là, on a des pertes de paquets. Voilà, c'était. Relais Arcturus Prime en vue. Début de la C'est séquence de juste la transmission. connexion qui a envie de se balancer. Commandant? Commandant, ta gueule! Les gars, j'y retourne même pas! Connexion établie. Calcul Désolé. de la masse de transit et de la destination. Relais opérationnel. Acquisition du vecteur d'approche. Station sécurisée pour transit. Oh là là! Oh mon Dieu! Cette classe interstellaire. On a le feu vert. Début de la phase d'approche. Simon, là il est en bonne qualité sur ma tablette. Passage du relais dans Parce que j'ai 3, déjà vu ça donc. 2, 1. Au moins. Propulseur OK, navigation OK, puits thermique interne activé, système opérationnel, déviation juste sous la barre des 1500 clics. Beaucoup Pas de mal. Votre capitaine sera satisfait. Je déteste ce type. Donc je suis un peu malade. Viens te faire un Donc compliment. j'essaierai de couper le Donc micro tu le dès que détestes, je c'est pourrai. bien ça? Tu parles d'un compliment? Je viens juste d'atteindre une cible de la taille d'une tête d'épingle depuis l'autre bout de la galaxie. Et il trouve ça pas mal. C'est pas mal. Et puis je suis peut-être parano, mais ça me rend nerveux d'avoir un spectre à bord. Pas de doute, t'es vraiment parano. Le conseil a participé au financement de ce projet, et ils envoient quelqu'un surveiller leur investissement. Je ne vois pas le problème.
Ouais, ça c'est la version officielle. Mais cette mission, je la sens mal. Oh ! Vous allez la fermer, ouais ! Vous êtes des soldats. Comportez-vous comme tels. Désolé, commandant. Joker, bon rapport. Ça se permet de passer le relais cosmodésique, de se faire la... Système furtif activé. De se chamailler comme ça devant moi. Une balise de putain, je suis votre commandant, les gars, tenez-vous quoi. Je veux que les rapports de mission soient renvoyés à l'état-major avant d'atteindre Eden Prime. À vos ordres, capitaine. À propos, vous allez recevoir un visiteur. Vous voyez de qui je parle? Il est déjà là, lieutenant. C'est ma bite. Pardon. Envoyez le commandant Shepard. Il a l'air en couleur, dis donc. Tout de suite. Vous avez entendu, commandant? Il n'avait pas l'air content. Il doit y avoir un problème. En même temps, il est toujours comme ça quand il me parle. Tiens donc, comme c'est étrange. C'est bizarre, hein, Dido. Donc voilà. Pour vous, ça donne bien, n'empêche, en 4 tiers, alors que moi, en 16-9ème, ça donne pas super. Donc là, on peut accéder au codex, donc du tacticiel, hein, que j'ai déjà tout lu. Voilà, on va marquer comme lu pour du tacticiel. Voilà. Donc voilà, je me suis un peu renseigné au niveau de ce qu'il y avait. C'est un spectre, ils sont toujours en mission. Et on se retrouve embarqué avec lui. Des calmes, Presley. Tu vas finir par te coller un ulcère. Un ulcère, à ton âge. Félicitations, commandant. Ce sera on dirait que c'est bien passé. Vous descendez voir le capitaine? J'ai entendu une dispute. On dirait que vous ne faites pas confiance à notre hôte Turien. Désolé, commandant. Je discutais seulement avec Adams en bas aux machines. Je ne voulais déranger personne. Mais il faut reconnaître qu'il y a quelque chose d'étrange dans cette mission. Tout l'équipage le sent. Vous pensez que l'état-major nous cache quelque chose? Si tout ce qu'on a à faire, c'est tester le système furtif, pourquoi est-ce que le capitaine Anderson dirige la mission? Sans parler de Nilus. Les spectres sont des espions d'élite. Qu'est-ce qu'un espion turien viendrait faire dans un vol d'essai? Ça ne colle pas. N'est-ce pas? Vous n'avez pas confiance en Nilus? Je n'aime pas les Turiens, de manière générale. Cette famille, mon grand-père a participé à la guerre du premier contact. Il a perdu beaucoup d'amis quand les Turiens ont attaqué. C'était il y a longtemps. C'était il y a 30 ans. Vous ne pouvez pas blâmer Nilus pour ça. Non, bien sûr. Mais ça me rend nerveux d'avoir un spectre à bord. Surtout un Turien. Nous sommes un vaisseau de l'Alliance, l'armée humaine. Mais contrairement à nous, Nilus n'a pas de compte à rendre au capitaine. Les spectres opèrent en dehors de la hiérarchie. Et ils ne viennent pas juste pour observer des vols d'essai. Nilus a l'air de s'attendre à de l'action. Ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas du tout. Et le capitaine? Vous avez un problème avec le capitaine? Bien sûr que non, chef. Mais je ne comprends pas ce qu'il fait ici. Le capitaine Anderson est l'un des officiers des forces spéciales les plus décorés en service. En fondant toutes ces médailles, il pourrait fabriquer une statue de lui grandeur nature. On n'envoie pas un soldat comme ça en mission de routine. Il prend ce vol d'essai trop au sérieux. Il se passe quelque chose d'important. C'est sûr que pour un capitaine, c'est très bizarre. Que savez-vous des systèmes furtifs? En gros, ça permet de dissimuler notre position au scanner et au capteur. Une technologie de pointe. Le Normandie est le seul vaisseau équipé de ce moteur prototype. Mais pourquoi un équipage au complet? Une équipe réduite coûterait moins cher, et ça réduirait les risques d'indiscrétion. Et puis il y a Nilus. Non, le vol d'essai n'est qu'une couverture, c'est clair. Une couverture pour quoi? J'aimerais bien le savoir, commandant. Nous sommes ici sous de faux prétextes. Je n'aime pas trop être laissé dans le brouillard. Bah, je demande... J'essaierai d'obtenir des réponses quand je le verrai. Bonne chance, commandant. Merci. Allez, on avance. J'ai compris sur Eden Prime, Doc. Les spectres qui viennent ici le font pas par plaisir. À mon avis, Nilus nous cache quelque chose. C'est ridicule. Le capitaine est le seul maître à bord. Il n'a pas d'ordre à recevoir d'un spectre. Il a pas le choix, Doc. Les spectres ont de compte à rendre à personne. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, même tuer. Vous regardez trop de holo d'espionnage, Jenkins. Ça veut dire que tu regardes trop de films porno, négro. À votre avis, commandant, on va rester longtemps sur Eden Prime? Moi, je veux de l'action, de la vraie! J'espère sincèrement que vous plaisantez, Caporal. L'action signifie généralement que je me retrouve à rafistoler des membres de l'équipage à l'infirmerie. Le docteur a raison. Seul un fou ou un idiot recherche les combats, Caporal. Faites caber, petit genou.
Pardon, commandant, mais j'en peux plus d'attendre sans rien faire. C'est la première fois que je participe à une mission avec un spectre. Ne vous en faites pas. Abordez cette mission comme une mission normale et tout ira bien. Je vous fais confiance. Facile à dire pour quelqu'un comme vous. Vous avez fait vos preuves sur Akuzé. Tout le monde sait de quoi vous êtes capable. Cette mission, c'est la chance de ma vie. C'est l'occasion de prouver ce que je vaux. Tu joues pas au héros, tu fais pas le con. Un peu vos rêves de gloire, caporal. On a un boulot à faire. Ne faites rien de stupide qui pourrait tout gâcher. Vous en faites pas, chef. Je serai à la hauteur. Et sinon, je voudrais savoir ce que tu en penses de Nilus. Que pouvez-vous me dire sur Nilus ? Les Turiens sont généralement très respectés des autres espèces. Les patrouilles turiennes qui protègent l'espace de la citadelle sont plus nombreuses que n'importe quelle autre flotte. Il y a quand même quelques frictions entre eux et nous. Certains les trouvent trop rigides, d'autres leur reprochent toujours la guerre du premier contact. Quant à Nilus, je lui ai à peine parlé. En général, il ne s'adresse qu'au capitaine. J'espère qu'on pourra voir Nilus en action. Il paraît qu'un jour, il a dégommé à lui seul tout un peloton ennemi. Que savez-vous des spectres ? Seulement ce que j'en ai entendu dire. Les agents spectres travaillent directement pour le Conseil de la Citadelle. Ils opèrent généralement seuls ou en petits groupes. Mais les spectres n'ont aucun pouvoir officiel. Ah. C'est surtout une organisation de l'ombre chargée de protéger la stabilité de la galaxie. Ok. La protéger à tout prix ! C'est ça qui compte ! Les spectres sont au-dessus des lois. Pas de spectres. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'humains chez les spectres ? Les spectres proviennent généralement des races conciliennes, comme les Turiens. Ça fait des années que nous essayons de faire accepter un humain dans leur rang, sans résultat jusqu'ici. Hé, commandant ! Vous seriez pas mal comme spectre ! Ils sont toujours lâchés dans des merdiers pas possibles, avec des chances de survie quasi nulles ! Et ils s'en tirent ! Comme vous sur Akuzé, quoi. Un peu de respect, s'il te plaît, gamin. 50 Marines sont morts là-bas, Jenkins. Désolé, commandant. Je voulais pas vous offenser, hein. Je respecte ce que vous avez fait sur place, comme tout le monde. Inutile de ressasser le passé, commandant. Vous aviez besoin d'autre chose ? Ils ont un peu trop de pouvoir, non ? Donner un pouvoir pareil à quelqu'un, c'est de la folie. Et s'il devient incontrôlable ? Je suppose que le Conseil peut retirer son statut de spectre à un agent qui lui échapperait. À ce moment-là, le service de sécurité de la citadelle prendrait le relais. Le SSC ? Il serait foutu d'avance. Un spectre est plus redoutable que 20 soldats ordinaires. Non, les spectres font leur propre police. S'il y en a un qui déraille, ils envoient un autre agent pour l'abattre. C'est ça la justice des spectres. Le caporal confond histoire romancée et réalité, commandant. C'est dangereux. Donner un pouvoir pareil à quelqu'un, c'est de la folie. Et s'il devient incontrôlable ? Je suppose. Non, les spectres. Le caporal confond histoire romancée et réalité. C'était juste pour me confirmer, mais bon. Le capitaine. Je pensais pas que ça allait relancer la conversation. Ok. Alors. Ah, juste en parlant avec eux, je peux gagner des XP. Ok. Parce que j'ai entendu beaucoup de bien sur Mass Effect et j'ai bien envie de commencer ça, quoi. Nilus. Donc, vous voyez le fameux Nilus qui est spectre, alors ? Commandant Shepard, vous êtes seul ? Tant mieux. Je dois vous parler. Me parler ? Me parler de quoi ? Eden Prime, cette planète sur laquelle nous nous rendons, on dit que c'est un monde magnifique. Et donc ? Je suis un soldat, pas un touriste. Ouais, voilà, déjà dans. Eden Prime est bien plus qu'une simple destination touristique, Shepard. Et vous le savez, c'est un symbole pour tout votre peuple. Un monde paradisiaque aux frontières de votre territoire. Une preuve que l'humanité est non seulement capable d'établir des colonies galactiques, mais aussi de les protéger. Mais cette protection est-elle vraiment efficace ? C'est vrai qu'il faisait ça. Genre, il essayait de me regarder, mais il ne me trouvait pas. Non, c'est vraiment capable d'établir des colonies. C'est vraiment efficace. Bah ça, je sais pas, ça doit me le dire. Tu veux en venir où ? Attends. Une preuve que l'humanité est non seulement capable d'établir des colonies galactiques, mais aussi de les protéger. Mais cette protection est-elle vraiment efficace ? Non, je pense pas ça comme une menace, mais il va en venir au moins. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Les humains sont encore jeunes, inexpérimentés. La galaxie recèle bien des dangers, Shepard.
L'Alliance est-elle prête à y faire face? Je ne sais pas. Je crois qu'il est temps de dire la vérité au commandant. Ouais, j'aimerais bien savoir. Cette mission est bien plus qu'un simple vol d'essai. Évidemment, j'en étais sûr. Je l'avais déjà compris. Nous organisons un ramassage secret sur Eden Prime. C'est pour ça que le système furtif devait être opérationnel. Pourquoi ce secret? Il doit y avoir une raison pour que vous ne m'en ayez pas parlé, chef. Les ordres viennent d'en haut, commandant. Je ne pouvais donner d'informations qu'au compte-gouttes. Une équipe de recherche sur Eden Prime a déterré une sorte de balise, d'origine protéenne. Protéenne? Je croyais que les protéens avaient disparu il y a 50 000 ans. Leur héritage existe toujours. Les relais cosmodésiques, la citadelle, nos systèmes de propulsion, tous sont basés sur la technologie protéenne. Cette mission est cruciale, Shepard. La dernière fois que l'humanité a fait une découverte de ce genre, notre technologie a fait un bond de 200 ans en avant. On ne pourra rien apprendre de plus tant que la balise restera sur Eden Prime. Il faut la rapporter sur la citadelle pour qu'on puisse l'étudier sérieusement. Cela va au-delà des seuls intérêts humains, commandant. Cette découverte pourrait avoir des répercussions sur toutes les races de l'espace concilien. Donc c'est... Ah ouais, d'accord. Pourquoi, on n'a pas gardé la balise pour nous? Les humains n'ont pas la meilleure des réputations. De nombreuses espèces vous trouvent égoïstes, voire dangereux. Trop imprévisibles, trop indépendants. Je comprends tout à fait. En partageant la balise, nous améliorerons nos relations avec le Conseil. Sans compter que nous avons besoin de leur expertise scientifique. Ils en connaissent plus que nous sur les protéens. La balise n'est pas la seule raison de ma présence ici, Shepard. Ça, j'avais compris. Nihlus veut vous voir à l'œuvre, commandant. Il est là pour vous évaluer. Pourquoi? Passe-t-il, capitaine? L'Alliance soutient ça depuis longtemps. L'humanité veut jouer un plus grand rôle dans la politique interstellaire. Nous voulons avoir notre mot à dire au Conseil de la Citadelle. Or, les Spectres incarnent la puissance et l'autorité du Conseil à travers toute la galaxie. Qu'un des nôtres rejoigne leur rang serait un énorme pas en avant. Vous avez survécu à l'enfer sur Akuzé. Refuser de mourir, c'est un talent très utile. Effectivement. C'est pourquoi j'ai proposé votre nom pour intégrer les Spectres. Moi, je comprends pourquoi, moi. Vous êtes d'accord? Si j'accepte, c'est pour le bien de l'Alliance. Pour notre bien à tous, Shepard. Nous comptons sur vous. Il faut d'abord que je vous évalue, commandant. Nous allons faire équipe pendant quelque temps. Vous serez responsable de l'équipe au sol. Récupérez la balise et rapportez-la sur le vaisseau au plus vite. Nihlus vous accompagnera en tant qu'observateur. Que savez-vous des protéens? Je voudrais savoir. Seulement ce qu'on apprend à l'école. Que c'était une espèce très évoluée qui dominait la galaxie il y a 50 000 ans. Ensuite de quoi ils ont disparu. Il y a pas mal de théories qui circulent, mais personne ne sait vraiment comment ni pourquoi. Par contre, tout le monde s'accorde à dire que la civilisation galactique n'existerait pas sans eux. La citadelle est le centre névralgique de notre société galactique. Et sans les relais cosmodésiques, les voyages interstellaires seraient impossibles. Nous sommes tous redevables aux protéens. D'accord. J'aimerais en savoir plus sur Eden Prime avant qu'on atterrisse. C'est un petit monde agraire, mais il a une valeur symbolique. Eden Prime est l'une de nos plus anciennes colonies, et aussi l'une des plus prospères. Eden Prime a prouvé que l'humanité était prête à coloniser de nouveaux mondes, à exister au-delà de la Terre. C'est un symbole de la croissance et de l'évolution de l'humanité, de sa capacité à conquérir les étoiles. Et désormais, Eden Prime sera aussi la planète sur laquelle l'humanité a fait une découverte d'importance galactique. Et la balise, elle servira à quoi? Qu'est-ce qu'elle a de si important, cette balise? Toutes les civilisations galactiques évoluées sont basées sur la technologie protéenne. La vôtre ne fait pas exception. Si l'humanité n'avait pas découvert ces ruines enfouies sur Mars, nous serions toujours coincés sur Terre. Et encore, ce n'était qu'un petit cache de données. Qui sait ce que nous pourrons apprendre de cette balise? Imaginez qu'il s'agisse d'archives d'armes. Nous ne pouvons pas la laisser tomber entre de mauvaises mains. De mauvaises mains? Comme qui, par exemple? La travée de l'Attique n'est pas le secteur le plus stable de l'espace concilien. Il existe de nombreux pirates et groupes criminels actifs dans la région. Oui. Ils peuvent se dire qu'une balise protéenne vaut la peine d'attaquer un vaisseau de l'Alliance.
De plus, Eden Prime est situé juste à la frontière des systèmes Terminus. Système Terminus ? La travée de l'Attique est sous la protection de la citadelle. Si les systèmes Terminus attaquent, c'est un acte de guerre. En théorie, oui. Mais certaines des espèces des Terminus seraient prêtes à déclencher un conflit pour ça. Se retrouver entraîné dans un conflit majeur avec les systèmes Terminus est la dernière chose que souhaite le Conseil. Nous devons donc faire profil bas. D'accord, ben j'attends vos ordres, capitaine. Nous devons être tout près des... Capitaine, on a un problème. Ah. Quel problème, Joker ? Transmission d'Eden Prime, chef. Faut que vous voyez ça. Basculez là. Vous pouvez nous entendre depuis le début ? On a eu notre position. Je répète, nous sommes attaqués. Wow. Ça s'arrête là. Après ça, plus rien. Plus le moindre signal. D'accord, c'était bien un enregistrement, quoi. Retour arrière, arrêt à 38.5. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une main. Situation? Nous sommes à 17 minutes, capitaine. Aucun autre vaisseau de l'Alliance dans le système. Joker, manœuvre d'atterrissage. Je crois que les choses se compliquent un peu. Une petite équipe d'intervention passera plus facilement inaperçue. C'est notre meilleure chance de récupérer la balise. D'accord. Préparez-vous et retrouvez-moi dans la cale. Prévenez aussi Alenko et Jenkins. Vous partez en mission, commandant. D'accord. Qu'est-ce que ça, on dirait une main ? Activation du système furtif. Quelqu'un a creusé de sacrés trous par ici, capitaine. Pour cette mission, inutile de faire dans la finesse, commandant. Vous débarquez et vous foncez directement au site de fouille. Et les survivants, capitaine ? L'aide aux survivants est un objectif secondaire. Notre priorité, c'est la balise. En approche de la zone de débarquement Alpha. Vu mon caractère, vous allez essayer de Je travaille mieux en solo. Ah, il va nous regarder de loin, quoi. Illus opérera en éclaireur et vous tiendra informé de la situation. À part ça, silence radio absolu. Quand vous verra, capitaine. Shepard, je vous passe la main. Bonne chance. En approche de la zone de débarquement Beta. Périmètre du vaisseau sécurisé, commandant. Si je dégaine. Ah d'accord, et ils rengainent en même temps qu'on... Ok. Ils n'y sont pas allés de main morte. Restez sur vos gardes, commandant. Ça grouille d'ennemis. Zut, j'ai appuyé sur... Bordel. Oh, j'adore cette arme. Elle est pas mal, hein. Ok, ben on va avancer tout doucement alors. Putain, pour un vieux jeu, n'empêche, il est pas mal au niveau graphique. Donc très beau. Pour vous relever. On passe pas par là alors. Par où on va ? Par là, non. Alors là, j'avoue que je suis perdu. Hein. Il n'y a pas de point. Ah, bah tiens, par là. C'est pas vrai. C'est quoi cette boucherie ? C'est une boucherie, qu'est-ce qu'il raconte ? Il y a des cadavres là ? Je vois rien. C'est quoi ?
D'accord, le gars il avait mis une phrase random. Dommage, on voit pas trop mon bouc sur le casque, sous le casque. C'est beaucoup trop tranquille. Ah. Messieurs les légistes, à vous de jouer. Il y en a qui est mort là du coup. Ça l'a transpercé de part en part. Pauvre gars. Il mérite un enterrement. Nous veillerons à ce qu'il soit enterré avec les honneurs. Mais pour le moment, il faut qu'on se concentre sur la mission. Il faut pas oublier la mission, c'est sûr. Compris, chef. Putain, on voit même pas la balle partir, quoi. Ok, attendez, hein, j'essaye de comprendre un peu... Je suis tombé sur un charnier, Shepard. Des ruines et des cadavres. Je vais voir ça de plus près. On se retrouve sur le site de fouille. En fait, c'était pas illimité, est-ce que je comprends? Non, je croyais que c'était un ennemi, non. Qu'est-ce que c'est que ça? Mode d'armure, jointe mode d'arme, display. Tout prendre, hein, mais écoute. Putain, mais on court vite. Mince. Qu'est-ce que tu disais? Putain, ça explose ou pas au bout d'un moment? On dirait pas. Bref. Bon, j'ai pas besoin de recharger, est-ce que j'ai compris ? On contrôle le périmètre. Du coup, en fait, c'est pour ça que j'ai appuyé sur R et que ça a envoyé un truc, je sais pas ce que c'est. Une sorte de grenade ou quoi. Eh, une survivante. Bah dis donc. Oh, il va lui faire une petite danse. Ah, une sacrée danse, dis donc. On va essayer de les deux maximum. Merci pour le coup de main, commandant. J'ai cru que j'allais y rester. Mais c'est bon, t'inquiète pas. Et bonsoir à toi, Ashley. Maître artilleur Ashley Williams de la 202e, chef. C'est vous le responsable ici ? Que s'est-il Williams, passé ? Au rapport. On était en patrouille dans le secteur quand l'attaque a eu lieu. On a essayé d'envoyer un signal de détresse, mais ils avaient coupé nos transmissions. Depuis, j'essaie de survivre. Et où est votre unité ? Où se trouve le reste de votre unité ? Tout sport ? On a tenté de foncer vers la balise, mais on est tombé dans une embuscade. Je sais pas si les autres ont... Je crois que je suis la seule survivante. Vous n'y pouvez rien. Ce n'est pas votre faute, Williams. Vous ne pouviez rien faire pour les sauver. Oui, chef. On a tenu notre position tant qu'on a pu, jusqu'à ce que les guettes nous submergent. On n'en a pas vu en dehors du voile depuis près de 2 siècles. Qu'est-ce qui les aurait poussés à revenir ? Ils ont dû être attirés par la balise. Le site de fouille est juste après ce promontoire.
Elle y est peut-être encore. Je n'y vois rien. Votre aide serait la bienvenue, Williams. Bien pris, chef. On a un compte à régler, eux et moi. Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre sur les Gates ? Ce qu'on apprend en cours d'histoire. Ce sont des formes de vie synthétiques avec une IA limitée, créées par les Cariens il y a quelques siècles. Ils faisaient office de main-d'œuvre bon marché, mais ils ont fini par se retourner contre les Cariens qui ont dû prendre la fuite. Après ça, les Gates ont comme qui dirait disparu derrière le voile de Persée. Personne ne sait ce qu'ils sont devenus. Dites-moi tout ce que vous savez sur cette balise. On est tombé dessus il y a quelques semaines pendant des travaux de prolongement du monorail. On a trouvé des ruines protéennes, et dedans, la balise. Tout d'un coup, tous les scientifiques de la colonie étaient intéressés. C'est à ce moment qu'on a reçu l'ordre de sécuriser le site. Je sais pas grand-chose sur la balise elle-même, mais j'ai entendu l'un des chercheurs affirmer que ça pourrait être la plus grande découverte scientifique du siècle. Les scientifiques, qu'est-ce qu'ils sont devenus ? Aucune idée. Ils avaient un campement près de la balise, avec la 232e en faction. J'espère que leur unité s'en est mieux sortie que la mienne. Que s'est-il passé avant l'attaque ? On est venu de la colonie principale, il y a 2 nuits, pour nettoyer la zone. Ça s'annonçait comme une patrouille de routine, petit cul, jusqu'à ce que les Gates nous tombent dessus. On n'a rien vu venir. En route. Fusil d'assaut Banshee 3. On va tout prendre. Appuyez sur I pour afficher l'écran et équipement qui vous permet de modifier ou améliorer les armes, armures et autres objets qui utilisent votre commandant. Accédons dès maintenant à l'écran d'équipement. Merde. Cliquez sur les onglets de filtre pour passer d'un type d'objet à l'autre. Sélectionnez un objet dans la liste des modèles disponibles et cliquez sur le bouton équiper pour l'utiliser. Cliquez sur Omnigel pour convertir immédiatement. Irrémédiablement, putain, ce mot, au lieu de dire immédiatement, irrémédiablement, l'objet sélectionné en Omnigel. Cliquez sur l'un des ports pour mode d'un objet équipé pour choisir un mode. D'accord, j'ai un pistolet. J'ai un fusil à pompe. Chaque arme dispose d'au moins d'un port pour mode d'arme et d'un port pour mode de munitions. Cliquez sur l'icône d'arme pour accéder au mode d'arme applicable ou sur l'icône représentant une balle pour... Ok. Ah ok, c'est comme ça qu'on mélange, ok. Ok, là il n'y a pas d'homme. Ok, d'accord. Donc on peut modifier les armes comme ça, quoi. Je croyais avoir reçu un mode là, il y a pas longtemps. Ok, donc on va garder ça. Ok. Donc pour l'instant, ben on n'a rien, donc on va quitter ça. La balise est à l'autre bout de cette tranchée. Mode de munitions perforant. Ok, bien tout prendre. Armure légère Scorpion 1. Et donc là, par exemple, si je fais ça. Conçu pour déchirer les chairs ou toute autre matière organique, ces munitions sont particulièrement. Perforant. Ah, d'accord, ça c'est équipé auto. Non ? Ah non, c'est ça, d'accord. Ok, ok. Ok, je comprends mieux. Enfin, je commence à comprendre le truc. Donc, on va mettre pour lui. Ok. Pourquoi les cadavres sont... Je cours par là, apparemment. Hop.
j'espérais l'autre en fait. Ok. Eh ben dis donc. Ça c'est un bon fusil sniper comme je les aime. B. Attendez, on va s'en reprocher après. Mantua, bon, on va tout équiper pour l'instant. Voilà le site des fouilles. La balise était juste ici. Elle a dû être déplacée. Par qui? Des hommes à nous ou par les guettes? Difficile à dire. On en saura peut-être plus après avoir fouillé le campement. Vous croyez qu'il y a des survivants? Peut-être avec de la chance, en se cachant dans le campement. C'est au sommet de cette crête, en haut des rampes. D'accord. On va faire ça. Changement de programme, Shepard. Il y a un petit spatioport droit devant. Je veux vérifier. Je vous attendrai là-bas. D'accord. On dirait que le camp de recherche a été salement touché. L'endroit idéal pour une embuscade. Restez sur vos gardes. Bon Dieu. D'accord. Ils sont encore vivants. Qu'est-ce que les guerriers ont fait? D'accord. Appuyez sur R pour lancer une grenade. Attendez qu'elle s'expose. Appuyez à nouveau sur R pour enclencher la détonation. Jetez à présent une grenade au pied du zombie. Qu'est-ce qu'il fait par terre lui? Il est déjà mort? Attends, on est plus que deux là? Je veux y retourner. Ah bah tu m'étonnes, putain j'ai... Il meurt vite, lui. Ah. Donc pour l'instant, j'ai pas trop compris à quoi servaient les omnigels. À part peut-être à des modifications, en fait, mais... Sinon, j'ai pas vraiment compris. Elle est fermée. Verrouillage de sécurité enclenché. On va voir ce qu'il y a dedans. Utilisez les touches de déplacement ZQSD pour atteindre le noyau central en évitant les programmes. Ouais. Ça, j'avais cru. Ah, d'accord, je comprends mieux. Ok, ça y est, je comprends. Des humains, loué soit le créateur. Ah, ben voilà. Vite, fermez la porte avant qu'ils reviennent. Vous êtes en sécurité. Ne vous inquiétez pas, on va vous protéger. Merci, mais je crois qu'il n'y a plus de danger. On dirait que tout le monde est parti. Vous êtes bien le docteur Warren, responsable des fouilles? Vous savez ce qui est arrivé à la balise? Elle a été expédiée au spatioport ce matin. Manuel et moi sommes restés ici pour démonter le camp. Pendant l'attaque, les marines les ont retenus suffisamment longtemps pour qu'on puisse se cacher. Ils se sont sacrifiés pour nous sauver. Personne n'est sauvé, c'est la fin de l'humanité. Bientôt, il ne restera plus que des ruines et des cadavres. Que savez-vous de plus sur l'attaque? C'est arrivé tellement vite. Nous étions en train de ranger notre équipement, et la minute d'après, nous nous cachions dans l'abri pendant que les guettes envahissaient le campement. Les émissaires de l'Apocalypse, porteurs de ténèbres, héros de notre anéantissement. Nous entendions la bataille qui faisait rage au dehors. Des coups de feu, des cris. Je pensais que ça n'en finirait pas. Et d'un coup, le calme est revenu. Nous sommes restés ici trop effrayés pour sortir, jusqu'à votre arrivée. Avez-vous vu un Turien dans les parages? Je l'ai vu. Le prophète. À la tête de l'ennemi. Il était ici, juste avant l'attaque. C'est impossible. Nilus était avec nous sur le Normandie avant l'attaque. Il ne pouvait pas être ici. C'est un autre Turien. Je suis désolée. Manuel est encore un peu déboussolé.
Non, nous n'avons pas vu votre Turien. Nous sommes cachés là depuis l'attaque. D'accord. Savez-vous quelque chose à propos de la balise ? C'est une sorte de module de données connecté à un réseau de transmission galactique. Son état de conservation est excellent. Il s'agit peut-être de la plus grande découverte scientifique de ce siècle. Est-ce que me disait... De nouvelles technologies miraculeuses. Des avancées médicales incroyables. Qui sait ce que renferme cet objet ? Nous avons déterré le cœur du diable, réveillé la bête, libéré les ténèbres. Alors, Manuel, s'il te plaît, pas maintenant. Il est vraiment déboussolé. Williams, emmenez-nous au spatioport. Vous n'y pouvez rien. Personne n'y peut rien. La nuit tombe, la nuit éternelle. Chut, Manuel, va t'allonger. Tu te sentiras mieux quand le médicament aura fait effet. Ah, en effet, d'accord. Je comprends. S'il y a un médicament, en effet. Rien à dropper ici ? Apparemment, non. Perdez votre temps. L'humanité est perdue. Notre extinction est inévitable. Manuel, je voudrais vous demander quelque chose. Il vaut mieux le laisser tranquille. D'accord. Bon. Je perds mon temps. Voilà. Notre temps touche à sa fin. Oui ? Vous avez besoin de quelque chose ? Qu'est-ce qu'il a, votre assistant ? Manuel est très intelligent, mais il a toujours été un peu instable. Le génie et la folie marchent souvent main dans la main. D'accord. Est-ce folie que de connaître l'avenir ? De voir la grande destruction fondre sur nous ? De savoir qu'il n'y a pas d'issue, pas d'espoir ? Non, je ne suis pas fou. Il n'y a que moi qui sois sain d'esprit. Je lui ai donné une double dose de médicaments après l'attaque. D'accord. Je peux accélérer les choses. Bon rêve, Manuel. Nul ne peut faire taire la vérité. Ma voix doit s'élever dans les... Voilà. Mon Dieu, qu'avez-vous fait ? C'était un peu radical, commandant. Vous n'avez pas le droit de tabasser les gens comme ça. C'est mieux comme ça. Encore quelques minutes et il aurait fait quelque chose de dingue et de dangereux. Oui, vous avez peut-être raison. Quand il se réveillera, les médicaments auront fait leur effet. Voilà. Nous allons vous laisser. Bonne chance, commandant. On est d'accord comme ça. S'il fait une connerie avec son mode fou là, autant l'arrêter avant quoi. Mais quand je fais tout équiper en fait, tout se met sur moi ou... À l'époque c'était un endroit magnifique. Ça va se payer au centuple tout ça. Alors attendez, je veux voir en fait. Il va pas arrêter de me faire chier avec ces modes là. C'est ça qu'il me faut. Voilà. Je peux faire ça. D'accord. Attendez, je réfléchis, hein. Soyez patient. Ok. Bon, les grenades, j'en ai pas d'autres, de toute façon. Oh, mon armure, elle a pas un bug de détection ou... Non, c'est comme ça. Ok. Je la voyais pas cette couleur tout à l'heure. Sa reine. Donc il y avait un autre Turien, c'est bien ce que je disais. Nimbus. Qu'est-ce que tu fais là ? Tu n'es pas en mission. Le conseil a cru bon de m'envoyer t'épauler. Je ne m'attendais pas à trouver des guettes. On est dans un beau merdier. Fais gaffe à toi, mec. Au contraire, je me charge de tout. Aïe. La capacité surpuissance augmente la cadence de tir et la précision. Qu'est-ce que c'est là-bas au loin ? Un vaisseau. Non mais vous avez vu la taille ? Oh shit ! Donc je croyais que c'était une main mais effectivement c'est un vaisseau.
Alors je sais pas pourquoi il veut pas... Ah d'accord, c'est avec F1 et tout ça, ok. Alors j'essaie de regarder un peu ce qu'il y a comme arme. Ah c'est F4 pour moi, ok. Donc attends, recharge du bouclier. Mais je vois pas ce qu'il veut dire par Cliquez sur une icône de pouvoir et maintenez le bouton de la souris enfoncé. Sur une icône de pouvoir? Et j'ai pas de pouvoir. Ah mais c'est le pouvoir des êtres. Alors, et maintenez le bouton de la souris enfoncé, déposez le pouvoir dans la barre de raccourci et lâchez le bouton de la souris. Ah d'accord. Ok. Merde. Faut que j'arrête d'appuyer sur R. Ah et ça c'est des barrières explosives, ok. Parce que dans tous les bons jeux, il faut toujours au moins des barrières explosives. C'est Milus. Bon, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, des omnigels. Il y a quelque chose qui bouge là, derrière ces caisses. Attendez, ne tirez pas. Je suis des vôtres. Je suis humain. J'aurais pu vous tuer pour avoir essayé de nous prendre en traître. Non, non, je voulais juste me cacher. Pour échapper à ces créatures. Je m'appelle Powell. J'ai vu ce qui est arrivé à ce Turien. C'est l'autre qui l'a flingué. Dites-moi comment est mort Nihlus. Ce qu'on ne le sait pas. L'autre Turien était là en premier. Votre ami est arrivé après. J'ai entendu le nom Saren. Apparemment, ils se connaissaient. Votre ami a eu l'air de se calmer, il a baissé sa garde. Et ce Saren lui a tiré dans le dos. Heureusement que j'étais à l'abri derrière ses caisses. Et ensuite? Où est allé Saren après avoir tué Nihlus? Il a sauté sur le train de marchandises pour aller sur l'autre plateforme. Il devait vouloir la balise. Je savais que cette balise attirait les ennuis. Tout est allé de travers depuis qu'on l'a trouvé. D'abord cette saloperie de vaisseau mère apparaît, et ensuite cette attaque. Tout le monde est mort. Tout le monde. Heureusement que j'étais à l'abri derrière ces caisses, sans quoi j'aurais clamsé aussi. Vous avez échappé. Et vous êtes le seul à avoir survécu. Pourquoi personne d'autre n'a essayé de se cacher derrière les caisses? Ils n'ont pas eu le temps. Moi j'étais déjà derrière les caisses quand on s'est fait attaquer. Attendez un peu. Vous vous cachiez là avant l'attaque? Oui, bon, ça m'arrive de faire une petite sieste, histoire de tenir le rythme, quoi. Je me cache derrière les caisses, là où le contremaître peut pas me voir. T'es un fainéant, quoi. Il a survécu par pure fainéantie. Ouais, voilà. Il pose sa si vous ne vous étiez pas esquivé pour faire cette sieste, vous seriez mort comme les autres. Oui, sans doute. J'ai pas trop envie d'y réfléchir. Parlez-moi de l'attaque des guettes. Ça a été foudroyant. On avait à peine aperçu le vaisseau qu'on était déjà envahi. Des milliers de guettes, partout! Ils devaient se trouver dans le vaisseau. Et ils tiraient sur tout ce qui bougeait. Un vrai carnage. Que pouvez-vous me dire sur cette balise? Elle est arrivée ce matin. On l'a chargée sur le train pour l'expédier sur l'autre plateforme. Quand je pense que ça s'est passé il y a à peine quelques heures... Parlez-moi de ce vaisseau-mère que vous avez vu. J'avais jamais vu un truc comme ça, c'était gigantesque. Il a atterri près de cette plateforme. Tout est devenu sombre quand il est descendu. Tu m'étonnes, t'as vu la taille? Ça faisait un bruit indescriptible. Le genre qui vous passe le cerveau à la moulinette. C'est ça qui m'a réveillé. Et puis l'attaque a commencé juste après. Tu m'étonnes, déjà quand il est parti ça faisait mal aux oreilles alors là... Il faut retrouver cette balise avant qu'il ne soit trop tard. Prenez le train de marchandises. C'est ce qu'a fait l'autre Turien.
Je peux pas rester là, il faut que je me casse d'ici. On a mieux que tu rejoignes les autres survivants, non? Non? Bon, ben ok, on s'en fout. Appuyez sur la fiche GE pour signifier à votre commandeur d'avancer. Ah, ok, il va me mettre à terre. C'est vraiment pas le moment. On peut pas le lever, lui. Il tire d'où l'autre? Pas le temps de causer. Ah ben lui, je peux pas le réanimer. C'est vraiment pas le moment. Oh. Ah ben lui, il se réanime tout seul, ok. Il veut pas mourir apparemment lui. Y'a Kaidan. Ah merde, d'accord, il faut le viser d'abord, ok. Projection. Putain, j'ai pris cher là. Comment on fait pour utiliser les omnigels? Le fusil sniper. Pourquoi il veut pas viser? Pourquoi il veut pas viser mon personnage? Pourquoi il veut pas viser? Mon personnage, je voulais plus. Je disais que non, c'était chiant. Pas compris du tout là. Enfin, c'était quoi leur délire? Mais... ouais, j'avais des textures qui ont pas. Mon clic gauche ne fonctionne plus ou quoi? C'est quoi ce bordel? Ah, mon clic gauche ne fonctionne plus. Ou alors c'est... je peux pas viser pendant que... ou alors je peux pas viser... ah, je peux choisir d'être avec ou sans casque, ok. Comment je fais pour me soigner? Ah F, voilà. Ah ouais, d'accord, quand je suis blessé alors je peux pas me... je peux pas viser, d'accord. Ok, donc quand je peux... ah, arrête d'appuyer sur R pour recharger.
prendre le fusil sniper cette fois-ci. Non, il pratique ce sniper. Waouh, l'efficacité. Non mais ça je sais, mais t'inquiète pas, ça je vais pas le faire. Et si je fais ça alors. D'accord, alors cette couverture de merde, merci. On peut pas signaler à nos amis de ce. Ah d'accord, ça l'utilise pour tout le monde, ok. Je croyais que ça l'utilisait que pour moi. Apparemment, hop, c'est bon. On va prendre cette arme-là. C'était un ascenseur. Armez les charges, détruisez toute la colonie, effacez toute trace de notre présence. Excusez-moi. On est vivant, ma pizza. Des charges explosives. Un cadeau des guettes, probablement. Il faut les trouver, les désamorcer toutes. Vite. Ok. Donc là, c'est un moment contre la montre, en fait. Peut-être qu'il me tire dessus, là, cet enfoiré. Oh, ça fait mal. Je vais pas du tout le dire dessus, mais ok, apparemment ça compte. Ça, hein. Par cette façon tactique, mais méthodieux. Attends, mais par où on avance? Faut utiliser ça? Non. Alors pourquoi on avance pas? Ah d'accord, c'est parce qu'il faut passer par là. Merde.
putain, il y en a là-bas maintenant. Il y a une bombe par là, non? Oh mon nom. Excusez-moi. Dis donc. En mini gel, hein. Une bombe là, non? Ouais. Merde. Charge désamorcée. Prends le fusil d'assaut, vu que là on est plus au corps à corps qu'autre chose. Plus qu'une. J'en entends une là, non? Allez là. Voilà, comme ça au moins de ça on est débarrassé. Ah, punaise. À mon avis, il faut continuer par ici. Non. Ah non, il y a une flèche au-dessus qui nous dit d'aller par là. Bon, on va faire ça. Ah désolé, je me perds un peu. Il faut que je me fasse au jeu du fait que ça a lancé le mode. Donc du coup, tout n'est pas indiqué sur son écran directement, quoi. Point rouge par là. Enfin, c'est pas pire que Morrowind non plus, quoi. C'était là où on était passé à côté, tout à l'heure. Et c'était là. Ah, mets-toi à couvert. Qui avait planté en l'air. Bah, frag, putain. Oh, le sprint, quoi. Ah, arrête d'appuyer sur R. Et on mettra en omnigel plus tard s'il faut. Une bombe a explosé ou quoi? Ah ouais, quand même. Sacré carnage. Ça doit être l'endroit où le vaisseau Guette s'est posé. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Et salut à toi, une réelle. Tournament. J'aurais peut-être dû fouiller avant. C'est un peu con. Bah dis donc. Merci à toi de t'être abonné. Normandie, la balise est sécurisée. Demande évacuation immédiate. Un en état de marche. Vraiment fabuleux. Elle faisait pas ça quand on l'a déterré. Quelque chose a dû l'activer. Bien reçu, Normandie. On reste en stand-by. Il va falloir sécuriser, du coup. On va recevoir des vagues dans la gueule, je sens. Oula. Allez, on la levrette directement. Ah bah du coup, c'est moi qui suis pris dedans. Shepard ! Non, ne le fais pas. On va faire toutes les aides. Et j'ai reçu toutes les informations, on dirait. Comme si on... L'artefact, tu l'avais téléchargé dans le cerveau...
Enfin, elle avait uploadé dessus. Non, c'est Mass Effect, hein. Et ça va bien, ça va bien. C'est le petit matin, donc c'est tranquille. Et il a fait le vaisseau, n'empêche. Mass Effect 2, on le fera quand j'aurai fini Mass Effect 1. Du coup, là, vu que c'est le début de Mass Effect 1, on a le temps, à mon avis. Je sais que, nous apparemment, c'est des longues vies, le vaisseau qui posait sur Eden Prime. Il s'agit du Normandie, un vaisseau humain de l'Alliance. Il était dirigé par le capitaine Anderson. Ils sont parvenus à... Anderson et la balise. L'un des humains a peut-être réussi à l'utiliser. C'est con parce qu'il était juste à côté de la balise, oui. Tu vas me sucer. Alors, il faut l'éliminer immédiatement. Tu es délicieuse, dis donc. Sacré père de l'eau. Je ne connais pas celui-là ni le 2. Le 3 est super par contre. Ah. Moi, je me suis dit, avant de faire le 2 et le 3, je vais faire docteur, le 1. Docteur Chakwas, je crois qu'il se réveille. Ah, ça y est. Oh, j'ai la tête dans le cul. Et le cul dans le brouillard. Vous nous avez inquiétés, Shepard. Comment vous sentez-vous? Intelligent. Qu'est-ce que je fais ici? Combien de temps je suis resté dans les vapes? Une quinzaine d'heures. Cette balise vous a fait quelque chose, j'ai l'impression. C'est ma faute. J'ai sûrement déclenché une sorte de champ de sécurité quand je me suis approché. Vous avez dû me pousser de là. Ne vous en veuillez pas. Vous ne pouviez pas savoir ce qui se passerait. En fait, nous ne savons pas si c'est ce qui l'a détruite, et malheureusement, nous ne le saurons jamais. Elle a explosé. Surcharge du système, peut-être. L'explosion vous a mis KO, du coup le lieutenant et moi, on vous a transporté jusqu'ici. J'ai des blessures. Quels sont les dégâts, docteur? Physiquement, vous allez bien, mais j'ai détecté une activité cérébrale étrange, des ondes bêta anormales. J'ai aussi remarqué des pics d'activité durant le sommeil paradoxal. Ce sont des signes typiquement associés à des rêves intenses. Des rêves intenses. Une vision plus qu'un rêve. Ouais, c'était plus des visions que des rêves. En fait, je ne suis pas certain de ce que j'ai vu. La mort, la destruction, rien n'est vraiment clair. On dirait une prophétie, en fait, ce que j'ai vu. Je vais ajouter ça à mon rapport. Ça pourrait... Oh! C'était quoi cette cinématique foirée? Tous les examens ont l'air normaux. Je pense que le commandant va s'en remettre. Ravi de l'entendre. Shepard, il faut que je vous parle, en privé. À vos ordres, capitaine. Je serai au mess si vous avez besoin de moi. Non, parce que c'était en train de faire une cinématique, beaucoup tout s'est raté. Vous êtes sûr que ça va? Parce que là, j'étais pas en train de rêver. Genre, c'était en train de faire une sorte de cinématique, comme si j'allais raconter un peu ce que j'ai vu, que c'était intense, que c'était peut-être grave et tout ça. Ça commençait à faire une musique bien, et puis d'un coup, tout s'est arrêté, fait « Bon, mais je m'en fous. Quoi ?» Bon, on dirait que cette balise vous a bien secoué, commandant. Vous êtes sûr que ça va? J'ai des remords pour Jenkins. Je n'aime pas que des soldats meurent sous mon commandement. Ne vous reprochez pas la mort de Jenkins, Shepard. Vous avez fait du bon travail. Quelqu'un a fait une belle connerie, chef. Si on avait été prévenu avant, on aurait pu au moins limiter les dégâts. Calmez-vous, commandant. Les guettes n'étaient pas sorties du voile depuis plus de 200 ans. Personne n'aurait pu prédire une chose pareille. Bon, bref, tu voulais me parler. Vous avez dit que vous vouliez me voir en privé, capitaine. Je ne vais pas vous mentir, Shepard. Ça se présente mal. Nilus est mort, la balise a été détruite, les guettes nous envahissent. Le Conseil va vouloir des réponses. Qu'ils aillent se faire voir. Bah, j'ai fait mon job, hein. Qu'ils aillent se faire voir un peu, c'est vrai. Les guettes ont massacré toute la colonie si je ne les avais pas arrêtés. Je vous soutiendrai, vous et votre rapport. En ce qui me concerne, vous avez l'étoffe des héros. Mais ce n'est pas pour ça que je suis là. Il s'agit de Saren, cet autre Turien. Ah, donc il Saren est un spectre. Ah, c'est l'un ce que je pensais. Une légende vivante.
Mais s'il collabore avec les guettes, ça signifie qu'il a changé de camp. Et un spectre renégat, c'est le début des ennuis. Sa reine est dangereux et il déteste les humains. Mais c'est vrai qu'il est pas moche, hein, mais par contre, il est en 4 tiers pour vous. Pour moi, il est en 16/9. Du coup, ça étire un peu l'image, c'est un peu moche de ce côté-là, mais... c'est un peu dommage parce que je sais pas pourquoi j'ai mis en 4 tiers et il veut pas... voilà, il s'est... Bref. c'est le début des ennuis, sa reine est dangereux et il déteste les humains. Pourquoi il déteste les humains? Pourquoi? Il pense que nous nous étendons trop vite, que nous envahissons la galaxie. Beaucoup d'extraterrestres pensent comme lui, mais la plupart en restent là. Ça m'étonne pas, on est des vrais petits lapins. Il s'est allié avec les guettes. Je ne sais ni comment ni pourquoi, mais c'est lié à cette balise. Vous étiez sur place juste avant que la balise ne s'autodétruise. Vous avez vu quelque chose? Un indice qui pourrait nous indiquer ce que cherchait sa reine? Une vision. Juste avant de perdre connaissance, j'ai eu une sorte de vision. Une vision? Qu'est-ce que vous avez vu? Tu vas faire les trois? Ouais, je vais faire les trois. J'ai le 1, 2, 3 que j'ai acheté à un marché, sur Carrefour, quoi, je crois. C'était sur Carrefour ou autre? Bref, il y avait le boîtier 1, 2 et 3, donc je l'ai pris. C'était pour 10 euros, un truc du genre, donc... C'était il y a longtemps, et puis j'ai toujours pas commencé, et là, du coup, enfin, je commence. C'était plutôt un avertissement, en fait, hein, j'avais l'impression. Quand j'ai vu Vision, j'ai pas trop bien vu, mais... J'ai vu des créatures artificielles, les guettes, peut-être, massacrer des gens. Un vrai carnage. Il faut signaler ça au Conseil, Shepard. Pour dire quoi? Pour leur dire quoi, exactement? Que j'ai fait un mauvais rêve? Ouais, voilà. Nous ignorons quelles informations étaient stockées dans cette balise. Une technologie protéine disparue? Les plans d'une ancienne arme de destruction massive? Quoi qu'il en soit, sa reine s'en est emparée. Mais je connais sa reine. Je connais sa réputation, sa manière de faire. Ah oui, c'est ça que ça change. Il pense que les humains sont une plaie pour la galaxie. Cette attaque, c'était un acte de guerre. Ah bah, si c'était pas une acte de guerre, ça... Il possède la balise ainsi qu'une armée de guettes à ses ordres. Et il ne s'arrêtera pas avant d'avoir éradiqué l'humanité de toute la galaxie. Pas si je peux l'empêcher. Je trouverai un moyen de le vaincre. Ce n'est pas si facile. C'est un spectre. Il peut aller partout et faire à peu près tout ce qu'il veut. C'est pour ça que nous avons besoin du Conseil. Ouais, en espérant que le Conseil soit bien, mais bon, apparemment, ce que j'entends de tout le monde, le Conseil, c'est un peu... genre notre politique à nous, quoi. En gros, le président fait n'importe quoi. C'est pour ça que j'en veux marquer, ils ne nous aideront pas, mais... On va essayer de démasquer. Si on arrive à prouver que sa reine est un traître, le Conseil le destituera. Je vais prendre contact avec l'ambassadeur, voir s'il peut nous obtenir une audience avec le Conseil. Il voudra nous rencontrer dès que nous serons à la citadelle. Bah, on ne doit plus être très loin. Montez sur le pont et dites à Joker de nous conduire à quai. Joker... Okidak. Ça peut l'aider un peu, hein, si on trouve des omnigels. On va pas dire non. Est-ce que j'ai toujours mon équipement? Yes. Par contre, tu vois pas où est-ce qu'on voit les omnigels? Ah, c'est ça, là. C'est ça qui nous redonne de la vie. Et ça, c'est notre argent, donc. Si j'ai bien compris. Non. Par contre, ouais, celui-là, on va le transformer en omnigel. Donc ça, c'est ce qui nous permet, à ce que j'ai compris, de nous redonner de la vie pendant les combats. Transformer tout ce qui sert à rien en omnigel, puis voilà. Le pistolet, le plus important, c'est qu'il fasse des dégâts. Pas qu'il soit très précis. Pas pour moi. Parce que c'est compté comme une arme secondaire. Ok. Ouais, ce genre de jeu, faut fouiller partout. C'est ce que j'ai vu. C'est ce que j'ai compris. Pourquoi c'est en gris là? Ça, on peut le virer.
Voilà, je fais un peu le vide pour trier. Par contre, là, j'en ai deux qui est différent. Un sniper, c'est fait pour faire des gros dégâts à longue distance. Donc voilà, et puis précision, je suis assez bon en précision, ce que j'ai vu. C'est pas trop difficile. Pardon. Ok. Les digels. Putain, j'ai tellement de choses à relire, quoi. J'ai déjà lu plein de choses, mais alors là... Je pense que je vais faire un hors live où je vais me mettre à tout lire. Pendant que je prendrai mon café. Je suis contente que vous alliez bien, commandant. L'équipage a besoin de bonnes nouvelles après ce qui est arrivé à Jenkins. Il nous manque encore, c'est sûr. C'est la vie de soldat. Quand votre heure est venue, il n'y a rien à faire. Vous croyez vraiment, commandant? Après ce qui vous est arrivé sur Akuzé, vous croyez que c'est juste un coup de chance si vous avez survécu? Non, pas de chance à rien. Si j'ai survécu, c'est parce que j'en avais la volonté. Chef, sauf votre respect, je crois que notre paternel à tous veillait sur vous. Je suis athée, donc j'en ai un peu rien à foutre de tout ça. Ça a été plutôt rude là-bas. Vous allez bien? J'ai déjà vu des amis mourir. C'est inévitable quand on est à marine. Mais toute mon unité... C'est sûr que ça fait mal. Et on ne s'habitue jamais aux morts civiles. Enfin, sans vous, ça aurait été bien pire. Votre état a été plus... Nous n'aurions pas réussi sans vous non plus, Williams. Merci, commandant. Très franchement, j'étais un peu inquiète d'être nommée sur le Normandie. C'est agréable de sentir qu'on est la bienvenue. Bienvenue là-bas. Je pense que vous allez parfaitement vous intégrer ici, Williams. Puis... Merci, commandant. Surtout dans mon lit, tu vas t'intégrer. Bref. Oui, alors. Commandant. Vous avez besoin de quelque chose? Comment vous en êtes venu à servir sur un vaisseau de l'Alliance? Je me suis engagée dès ma sortie de l'école de médecine. La Terre m'a toujours semblé ennuyeuse. Trop sûre, trop rassurante. J'imaginais que les colonies grouillaient d'aventures exotiques. Je voulais voyager parmi les étoiles, soigner les blessures de rudes soldats aux yeux vifs et à l'âme sensible. Bien sûr, j'ai déchanté en découvrant la vie dans l'armée. Mais l'humanité a besoin de l'Alliance pour s'étendre dans la travée, et l'Alliance a toujours besoin de bons médecins. Résultat, j'ai conservé le rôle. Tu le regrettes ? Vous vous êtes déjà dit que vous aviez fait le mauvais choix. Parfois, j'envisage de retourner sur Terre, ouvrir un cabinet ou de prendre un poste dans l'un des nouveaux centres médicaux des colonies. Mais soigner les soldats a quelque chose de particulier. Si je quittais l'Alliance maintenant, j'aurais l'impression de les abandonner. C'est une bonne règle de vie, voilà. C'est ça que je cherchais comme mot. Vous connaissez bien le capitaine Anderson? J'ai servi avec lui sur bon nombre de missions. Il sait quand il faut laisser couler et quand serrer la vis. Anderson. L'équipage sait qu'il est déjà passé par tout ce qui pourrait leur arriver. Et il est attentif envers ceux qui sont sous ses ordres. Vous connaissez bien le lieutenant? Je n'avais jamais travaillé avec lui avant cette mission. Mais ses états de service sont impressionnants. Plus d'une douzaine de recommandations spéciales. Il est assez réservé, cependant. Peut-être à cause des maux de tête. Ça n'est pas facile d'être un L2. Un L2? Quel rapport avec lui? La plupart des biotiques possèdent aujourd'hui les implants L3. Le lieutenant Alenko, lui, a été équipé de l'ancienne configuration L2. Il y a parfois des complications. Comment ça ? Quel genre de complications ? Lourds handicaps mentaux, folie, douleurs physiques invalidantes. Il existe une longue liste de terribles effets secondaires. Kaidan a de la chance, il n'a que des migraines. Ben, bonne partie sur Rocket League. J'aime bien ce jeu aussi. T'as que des migraines? Je dois y aller. T'as de la chance. Au revoir, sur tous les effets secondaires qu'il y a. Oui, commandant? Non, rien. Vous avez besoin de quelque chose? Je dois y aller. Au revoir, commandant. Bah, t'es accompli, là. C'est un ascenseur. Ouais, quand je sprint, ça va à la même vitesse, quoi.
Tiens, Kaiden. Content de voir que vous allez bien, commandant. Content de voir que vous allez bien, commandant. Ok, ok. On vous entend pas parler. Tu n'as pas la bouche qui s'ouvre. Tu es en train de mimer. Bref. On s'avance petit à petit. Ah, Capitaine Anderson. Quand vous serez prêt, allez parler à Joker. Dites-lui de mener le Normandie à quai. Ok. Donc tu veux pas me parler, t'en as rien à foutre. J'aurais cru qu'il aurait pensé un peu à moi, à dire « Alors, comment vous allez? Est-ce que vous vous sentez toujours bien ?» Enfin bref. Oh mon dieu, un noir! Blond! Carte de la galaxie. Je peux pas l'ouvrir, hein? Faut que je me rapproche. Seul le premier officier du CSV Normandie est habilité à spécifier le cap. Ok. Je suis content de voir que vous allez bien, commandant. Ça a déjà fichu le moral de l'équipage à zéro de perdre Jenkins. Ouais. Ça peut arriver, écoute. Hein. Ok. J'ai examiné un truc. Il y a des experts en examinant des trucs. Cliquez sur un talent pour dépenser des points et améliorer cette capacité. Passer la souris sur un talent pour plus d'informations. Ok. Pistolet augmente. Je suis plus du côté fusil de précision. J'ai 12 points. D'accord. Mais ça, j'ai pas droit, non. D'accord, on s'en fout. Soldats, les soldats sont formés à résister aux rigueurs physiques du combat en première ligne. Augmente la santé, permet une régénération de santé. Charme, affiche les options de charme en conversation, réduit les prix d'achat. Ah, ça c'est bien ça. Et active de nouvelles options de dialogue. Le mettre à fond. Mettre un point en... Augmente ta santé de 14%, régénère 5 points. On va mettre à fond. Parce qu'apparemment, la vie, c'est assez important. Et ça, je peux pas l'augmenter, ça me fait chier. Voilà. Et donc là, si je rappuie, c'est bon, tout est mis. Ok. Ah. On peut pas ouvrir. Ok. Donc je crois que la fouille est terminée. Vous tombez bien, commandant. Je m'apprêtais à nous amener à la citadelle. Pas bon de toi. Je checkerai ça, non, y'a pas de soucis. Le café est froid. C'est meilleur. Putain, c'est beau, on empêche, hein. Oh. Ah bah. Regardez la taille de ce vaisseau. L'ascension. Vaisseau amiral de la citadelle. C'est pas la taille qui compte. C'est un véhicule, Joker. 100%, la taille, c'est que dalle. Oh mon dieu. Sauf qu'il n'y a pas un seul bouclier de l'Alliance qui pourrait résister au canon principal de ce monstre. Heureusement qu'il est de notre côté, alors. PC Citadel, ici le SSV Normandie, demandant autorisation d'atterrir. En attente d'autorisation, Normandie. Autorisation accordée, commencez votre approche. Nous vous transférons vers un opérateur de l'Alliance. Bien reçu, tour de contrôle. Normandie, terminé. La BO est Normandie, très... Normandie, ici très bien. Tour de l'Alliance. Arrimage quai 422.
Je vais peut-être me télécharger les BO de Mass Effect. En fait, le Normandie, c'est un peu le Faucon Millennium de Star Wars, quoi. Enfin, à ce que je comprends. C'est un scandale. Le Conseil interviendrait si les Geths attaquaient une colonie turienne. Les Turiens ne fondent pas de colonies à la frontière des systèmes Terminus, ambassadeur. L'humanité était tout à fait consciente des risques lorsqu'elle s'est aventurée dans la travée. Saren, vous ne pouvez pas ignorer la trahison d'un spectre. Le Conseil doit agir. Vous ne pouvez rien exiger du Conseil, ambassadeur. Notre service de sécurité mène une enquête sur vos accusations contre Saren. Nous discuterons des conclusions du SSC à l'audience, pas avant. Putain... Capitaine Anderson, je vois que vous avez emmené la moitié de vos troupes. Seulement le commando d'intervention d'Eden Prime, au cas où vous auriez des questions. J'ai les rapports de mission. Je présume qu'ils sont fiables. Bah, bien sûr. Ça veut dire que vous avez obtenu une audience ? Ça ne les a pas franchement enchantés. Saren est leur meilleur agent. Il n'apprécie pas qu'on l'accuse de trahison. Je ne vais pas rester à me tourner les pouces parce que le Conseil n'est pas foutu d'agir. Voilà. Calmez-vous, commandant. Vous êtes déjà loin d'avoir la cote auprès du Conseil. J'en ai rien Votre à foutre. Votre mission sur Eden Prime était l'occasion de faire vos preuves. Mission qui s'est soldée par la mort d'un spectre et par la destruction d'un artefact protéen. C'est Saren le responsable, pas lui. Ouais, voilà, déjà dans. Alors espérons que l'enquête du SSC trouve quelque chose qui étayera nos accusations. Autrement, le Conseil va vous tailler un costard et vous pourrez abandonner tout espoir de devenir spectre. J'en ai rien à foutre. Suivez-moi, capitaine. Je souhaiterais avoir quelques précisions avant l'audience. Shepard, vous et les autres, rejoignez-nous dans la tour de la citadelle au dernier niveau. Je ferai en sorte que vous ayez les autorisations d'accès. Si être spectre, c'est lécher le cul, moi j'en ai rien à foutre. Enfin, si être spectre, c'est lécher le cul du Conseil, moi j'en ai complètement rien à foutre. Moi je remets mes couilles sur leur nez, quoi. Cryptage en cours. Tenter un override énorme nul. Facile. Rapport de patrouille de l'Alliance. Le capitaine Hendrickson a remarqué d'étranges signaux au cours d'une patrouille dans le secteur Argostro. Ses inquiétudes se tournent en particulier vers le système Intra carrément. Mais elle n'a pas pu enquêter davantage et aucune patrouille n'est prévue dans le secteur. Voulez-vous envoyer une équipe de reconnaissance? D'accord. Il y a de l'espace. Ce coin est trop parfait. Il y a anguille sous roche. Cet endroit ressemble à un paradis. C'est moche. Ok, il n'y a rien à prendre ici. Donc on va l'opposer, hein, bien sûr, de l'objectif. Mais vos allégations sont très graves. Je ne peux pas. Mais c'est sérieux. Ma réputation est en jeu. Je me suis confié à la favorite en privé, et elle a trahi ma confiance. Très bien. Oups. Je vais m'en occuper pour vous. En attendant, ne commettez pas d'imprudence. De quoi il parle ? Réjouis. C'est toujours un grand plaisir de rencontrer un représentant de votre espèce, humain. Je suis l'ambassadeur Kaylin. Sincère. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous ? Ouais. Pourquoi vous commentez ce que vous allez dire ? Ouais, ce que j'ai... Notre peuple communique davantage par l'odorat et les mouvements que par les paroles. Nous avons découvert que notre expression orale ne suffisait pas pour communiquer nos sentiments aux autres espèces. Pourquoi insistez-vous, Kaylin ? Ces êtres humains n'ont que faire de nos usages. Déçu. Bah non. Dean, vous ne pensez pas ce que vous dites. Et si vous le pensez, j'en suis navré pour vous. Comment tu t'es fait rabattre le caquet, toi ? Parlez-moi de votre espèce. Enthousiaste. Je prends un réel plaisir à évoquer l'histoire de mon peuple. Il m'est agréable de faire découvrir à autrui notre culture. Ah, ben vas-y. Parlez-moi de l'histoire et des origines du peuple Elkor.
Les Elcor commençaient tout juste à explorer l'espace concilien lorsque les Asari sont entrés en contact avec eux. C'est grâce à eux que nous avons trouvé le relais le plus proche, et donc la citadelle, fière. En l'espace d'une génération, nous avons établi une route vers la citadelle et sommes rapidement devenus l'une des espèces les plus actives de cette immense station. J'aimerais en savoir plus sur la culture des Elcor. Franc. Les Elcor préfèrent généralement le confort et la sécurité de leur propre colonie au désagrément de l'exploration spatiale. Notre société s'est érigée sur des micro-communautés très unies. Mais nous accueillons très volontiers les étrangers. D'accord. Notre gouvernement est extrêmement stable. Notre peuple apprécie peu les changements soudains. Ah. Quelle est votre fonction ici ? Modeste. J'ai l'honneur de porter les problèmes et les requêtes du peuple Elcor à l'attention du Conseil. D'accord. Ces postes ont été créés dans le seul but de nous faire taire. Le Conseil se moque royalement de nos races. C'est pas possible. Critique. Votre ton est inapproprié, Dean. Cet humain n'est pas responsable de votre mécontentement, ni de vos soupçons déplacés. Non. J'aime bien cet Elcor. J'aime bien les Elcor. Au revoir, ambassadeur. Chaleureux. Je vous souhaite une bonne journée, humain. Passez un bon séjour dans la citadelle. Ouais, je comprends les commentaires, en fait. Ouais, c'est vrai que s'ils commentaient pas, en fait, juste avant leur dit, je me demanderais s'il est sincère, en fait. Bonjour, humain. Sincère. Désolé, mais je suis ici pour affaires et je ne veux pas être dérangé. Vous avez l'air soucieux. Je peux faire quelque chose pour vous aider. Alarmé. Vous êtes au courant, n'est-ce pas? C'est une catastrophe. Et tout est de la faute de la favorite Asari. C'est elle qui a tout déclenché. Qu'est-ce que cette Asari a bien pu faire pour vous mettre dans un tel état? Je ne peux pas vous en révéler davantage. Ce problème est trop délicat. Je peux seulement vous dire qu'elle a compromis mon statut de diplomate. Où se trouve cette favorite Asari? Vous la trouverez de l'autre côté du pont. Son établissement est très facile à repérer. Bonne journée, humain. De l'autre côté du pont? Tiens, c'est quoi ça? Un extraterrestre? J'aimerais bien savoir c'était quoi comme race. On dirait que vous vous êtes trompé d'endroit, être humain. L'ambassadeur humain est dans le grand bureau d'à côté. J'ai bien le droit de parler. Critique. Avec vous. Un minimum de politesse. Oh, voilà, déjà dans... Présentez-vous tout de même. Je suis Dean Korlak. Ambassadeur Volus. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous, être humain? Il a pas l'air de nous apprécier, hein. Vous m'avez l'air bien aigri, Dean. Vous? Les humains, vous êtes nouveaux à la citadelle. Et pourtant, le Conseil vous a accordé une immense faveur. Peut-être qu'on le voit aussi. Réprobateur. Dean, votre espèce a également reçu de nombreuses concessions. Les Volus ont décuplé leur territoire depuis qu'ils sont à la citadelle. Ah ! Des détails ! Nous n'avons pas voix au chapitre sur les décisions qui affectent l'espace concilien. Que peux-tu me dire sur l'ambassade? Quel est cet endroit? Vous êtes dans l'ambassade des Volus? Votre ambassadeur est dans son bureau à côté. Dans cet espace partagé, j'aide mes frères Volus. Du moins, quand je ne suis pas interrompu. J'aimerais en savoir plus sur les Volus. Je suis sûr que notre histoire et notre culture vous ennuieraient, être humain. Oh, vas-y, raconte. Non, vraiment, j'aimerais en savoir plus sur votre histoire. Mon peuple est arrivé à la citadelle. En tout cas, il est très longtemps après sa découverte par les Asari et les Galariens. Nous avons contribué à l'établissement d'une économie galactique uniformisée. Cependant, malgré notre vieille association avec la citadelle et nos nombreuses contributions à la communauté galactique, nous n'avons toujours pas de siège au Conseil. Non, ah bon. Parlez-moi de la culture Volus.
Nous sommes un peuple tribal par nature, mais en aucun cas violent. Nous échangeons et vendons nos terres et membres de tribus pour accroître notre statut. Les grandes tribus absorbent fréquemment les tribus plus petites et finissent par se séparer à nouveau. Notre société est très malléable et nos gouvernements sont en changement constant. Étant donné que nous ne sommes pas une race très vigoureuse, nous échangeons nos services contre la protection d'autres espèces. D'accord. Quelle est votre fonction ici ? J'essaie de promouvoir les intérêts du peuple Volus. Une tâche ardue, quand on sait à quel point le Conseil néglige notre espèce. Critique. Le Conseil favorise largement votre espèce, Dean. Vous êtes bien naïf. Les êtres humains auront un siège au Conseil bien avant nous. Peut-être parce que on le mérite, nous. Pourquoi les Elcor et les Volus ne font pas partie du Conseil ? Toutes les espèces doivent faire leurs preuves avant d'entrer au Conseil. Toutes, sauf les êtres humains, à ce qu'il semble. Oula, tu te trompes. Conciliant, ne prêtez pas attention à l'ambassadeur Volus humain. Il ne sait pas ce qu'il dit. Oui, voilà, déjà dans. Vraiment ? Depuis combien de temps attendons-nous ? Et combien de temps cela va-t-il durer ? Discuter avec les humains est une perte de temps. Bon allez, je me barre. Au revoir, ambassadeur. C'est cela. Bonne journée, être humain. Il était de mule, hein. Et ça a l'air d'être une race têtue, hein, les Valus. Je suis perdu, moi. Bienvenue au Présidium. Permettez-moi de vous orienter. Bonjour et bienvenue au Présidium. Mon nom est Avina et j'ai l'honneur d'être votre guide virtuel pour la visite de ce niveau de la citadelle. Vous êtes réel ? Vous êtes une personne ou un programme ? Je suis une intelligence virtuelle totalement interactive, programmée pour fournir des conseils d'orientation spontanés dans les centres d'intérêt de ce niveau de la citadelle. T'es un programme. Je suis également joignable via les terminaux IV du Présidium, si vous avez besoin d'aide. Fais-moi visiter. Vous vous situez actuellement au terminal de tourisme numéro 1 du Présidium. Des deux côtés du hall se trouvent les ambassades des différentes races de la citadelle, ainsi que le quartier général du SSC. Au fond de ce niveau, vous pouvez voir la tour de la citadelle où le Conseil se réunit régulièrement pour débattre des affaires galactiques. D'accord. Parle-moi du SSC. Le service de sécurité de la citadelle, ou SSC, assure le maintien de l'ordre dans toute la citadelle. La majeure partie de son effectif est toutefois affectée à la zone dite des secteurs. Le chef actuel du SSC est l'exécuteur Palin, un Turien, mais cette institution regroupe la quasi-totalité des races de l'espace concilien. Si vous souhaitez en savoir plus, le bureau de l'exécuteur Palin se situe dans le quartier général du SSC, de l'autre côté du hall. Parle-moi des ambassades. Chaque espèce cosmopolitiquement importante de l'espace concilien dispose d'une ambassade au Présidium. Il y a environ 2384 années galactiques standards, les Volus furent la première espèce non concilienne à obtenir une ambassade. L'espace de la citadelle s'étant étendu, de nouvelles ambassades ont été créées. Et il se la plus récente est celle de votre propre espèce, l'humanité. Elle fut construite il y a 19 années galactiques standards, malgré de vives protestations. Pourquoi a-t-on voulu tenir mon espèce à l'écart ? Certaines espèces pensaient que l'humanité bénéficiait d'un traitement de faveur. Il faut souvent un siècle ou plus pour qu'une nouvelle espèce obtienne une ambassade. D'accord. À l'issue de longues délibérations, le Conseil a décidé que l'influence de l'humanité sur l'espace de la citadelle suffisait à justifier une ambassade.
Les Volus, c'est promis. Pourquoi les Volus ont-ils été les premiers à avoir une ambassade? Dans les années qui suivirent la fondation du Conseil, les Volus étaient, après les Asari et les Galariens, l'espèce la plus nombreuse dans l'espace de la citadelle. Ouais, d'accord pour ça. Ils établirent de nombreuses colonies et comptoirs commerciaux et adressèrent une pétition au Conseil pour qu'on leur accorde une place cosmopolitique plus importante. Il fut décidé qu'en reconnaissance de leur contribution au développement et à l'harmonisation du commerce interstellaire, les Volus obtiendraient une ambassade. C'est normal. Pourquoi a-t-on voulu tenir mon espèce? À l'issue de longues délibérations, le Conseil a... D'accord avec cette décision? Je ne suis pas programmé pour porter des jugements de valeur. C'est bien ce que je me disais. Mon code me limite à l'information et aux simulations d'interactions simples. Pourquoi les Volus? Il fut décidé qu'en reconnaissance de leur contribution... Pourquoi ne sont-ils pas considérés comme une race du Conseil? Les races conciliennes ont énormément de responsabilités. Elles doivent fournir du personnel et des vaisseaux aux flottes de la citadelle. Elles apportent également une aide économique en cas de désastre. Il serait injuste d'imposer une telle contrainte à une espèce dans l'impossibilité d'honorer ses obligations. Les ambassades permettent aux espèces mineures de faire entendre leur voix sur la citadelle. Espèces mineures? On peut plus... Qu'est-ce que tu peux me dire sur les spectres? Quoi, merde, le terme spectre est l'acronyme de la section Affaires spéciales et tactiques de reconnaissance du Conseil. Chaque agent est directement choisi par les membres du Conseil. Leur but premier est de préserver la stabilité galactique et de résoudre des crises qui ne peuvent pas être gérées par les moyens politiques et diplomatiques habituels. Pour cela, leur juridiction s'étend à toute la galaxie et on leur accorde des droits exceptionnels. Les spectres ne sont soumis à aucune loi et ne sont responsables de leurs actes que devant le Conseil. Qu'est-ce que tu peux me dire sur le Conseil de la Citadelle? À l'origine, le Conseil était composé de représentants Asari et Galariens, les deux espèces dominantes de l'espace concilien. Il y a environ 1304 années galactiques standard, les Turiens furent invités à siéger au Conseil, en remerciement de leur rôle durant la rébellion Krogan. Depuis, les trois races du Conseil travaillent de concert pour assurer la coexistence pacifique de la communauté galactique tout en préservant l'autonomie de chaque espèce. Ça semble trop parfait. Ça ne peut pas être aussi simple que ça. Il y a toujours un rouage grippé quelque part. Ouais. Je ne suis pas programmé pour porter des jugements de valeur. Mon code me limite à l'information et aux simulations d'interactions simples. J'aimerais bien savoir quelque chose de plus. Parle-moi des enfants. La plus récente est celle de votre propre espèce. Il fut décidé que... Il serait injuste d'imposer une telle... Quelle arrogance. Je vous prie de m'excuser si mon attitude vous a choqué. Veuillez adresser toute plainte express par écrit au bureau du tourisme de la citadelle. Non, c'était juste pour dire ça. Au revoir. À bientôt, et merci d'avoir utilisé Avina. Je vous souhaite un agréable séjour à la citadelle. Tu rien... Je sais pas c'est quelle espèce, lui. Eh, les gerbes, ils sont morts, hein. Il doit y avoir un lore sur Mass Effect, mais énorme, quoi. Oh là. J'ai pas fini de tout connaître, quoi. Oh là. Pas de tout connaître, je me comprends, quoi. D'accord, vers la tour de la citadelle, vers l'académie. D'accord. Donc, il avait dit que la favorite Azari, là, était de ce côté-là. De l'autre côté du pont. Si je m'accroupis, non, il s'accroupit pas. Okay. Wow, il y en a du monde. Je n'en reviens pas de travailler ici. Cet endroit est fabuleux. Fabuleux! Pardon. Me sentais obligé. D'accord, mais en fait, ça rajoute des trucs dans le codex qui me donne 10 points d'XP. Oh là là. Ravi. Bienvenue, humain. C'est un plaisir de vous rencontrer. Ah. Les Volus, c'est ça, c'est les Volus ou les Elcor? Ouais, c'est les Elcor, c'est ça. Que je commence pas à les confondre quand même. Les Elcor ont l'air d'être très sympathiques, hein, franchement. Ça a l'air d'être une race polie. Et enfin voilà quoi. Je comprends pas comment ça se fait qu'ils fassent pas partie encore du Conseil, quoi. Commandant Shepard, je ne m'attendais pas à vous voir ici. C'est l'ambassadeur Udina qui vous envoie? Hmm.
Qui êtes-vous, déjà ? On se connaît ? Vous, non. Moi, oui. Je suis l'exécuteur Palin, chef du SSC. D'accord. C'est mon boulot de savoir quand quelqu'un comme vous débarque sur la citadelle. Vous désirez quelque chose, commandant ? J'ai comme l'impression que vous n'aimez pas trop les humains. Ouais, c'est ce que j'ai Je ne vous fais pas confiance, c'est tout. Pas encore. D'accord. Les humains ne pensent qu'à accumuler autant de pouvoir que possible, et ils y parviennent plutôt bien. Si le Conseil veut faire de l'humanité son animal de compagnie, c'est son problème. Mais je ne suis pas obligé d'adhérer à leur opinion. C'est... Non mais il a tout à fait raison d'avoir son propre avis. Hein. Que pouvez-vous me dire sur les spectres ? Ils sont le bras droit du Conseil. Du moins, c'est comme ça qu'ils se font appeler. À mon sens, ce sont plutôt leurs âmes damnées. Vous les aimez pas ? Vous reprochez quoi aux spectres ? Je ne peux pas tolérer une organisation qui se considère au-dessus des lois. Surtout quand chaque spectre décide seul où et quand les contourner. Non, mais il a raison, il a tout à fait raison. Parlez-moi du SSC. Le SSC sert de force de police et de sécurité dans la citadelle. D'accord. Nous sommes une agence gouvernementale civile, mais beaucoup de nos membres ont reçu un entraînement militaire. Ah, vous Bien étiez entendu, gilet jaune, en tant que représentant du SSC auprès du Conseil, je passe le plus clair de mon temps à servir de trait d'union entre les deux. D'accord. Parlez-moi de votre enquête sur Saren. Désolé, commandant, je n'ai pas pour habitude de divulguer des informations sur une affaire en cours. Bah, d'accord. Je vais vous laisser. Ouais. Au revoir, commandant. Au revoir, commandant. J'aime bien comment il parle. Allez, hop. C'est facile, hein. Avertissement diplomatique. Le message suivant est envoyé d'un compte crypté à de multiples destinataires via extranet. Il conseille de suivre la situation de près, cher congénère biotique. Si tu as reçu cette transmission, c'est parce que nous menons le même combat. Rares sont ceux qui nous comprennent et qui nous tolèrent. Nous devons lutter ensemble. Nous devons construire un monde nouveau. Rejoins-nous dans le secteur Hawking, État. Ensemble, nous redresserons les torts qui nous ont été faits. D'accord, d'accord. Ouh là là là, il y a du monde. Cet endroit est étrange. J'aurais préféré voir plus d'humains. Eh non, mais comment c'est pas. Je comprends pas pourquoi il commence à détester les humains. Faut pas croire les rumeurs. La favorite est pas du genre à révéler ses secrets. Tu m'étonnes, sinon elle aurait pas fait long feu ici. Mouais. J'arrive pas à différencier les aliens des animaux. Bah, dis donc, ça va ? Qu'est-ce que vous voulez ? Oh, commandant ! Je peux faire quelque chose pour vous ? Repos, soldat. Je ne viens pas vous contrôler. D'accord, désolé. Je peux vous aider, commandant ? Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la favorite Asari ? C'est une Asari qui travaille ici, comme les... Enfin... Elle aide les gens à faire des trucs. Frédérix, vous n'êtes jamais allé la voir, je parie. Ah non, jamais. Ça coûte la moitié de mon salaire annuel, juste pour pouvoir lui parler. Où est-elle ? Vous pouvez quand même me dire où je peux la trouver. En face des ambassades, de l'autre côté du pont, chef. Merci, mon gars. Amuse-toi. Et pas trop de bagarres. Je ferai attention, promis. De l'autre côté du pont, donc par là-bas, en fait, alors, à ce que je comprends. Je n'ai pas le temps de vous parler. Je suis très occupée. Pas de soucis, ma grande. Bonjour, commandant. Je peux faire quelque chose pour vous ? Pourquoi pas ? Qu'est-ce que vous avez ? Surtout des informations. Vous voulez un petit topo sur ce qu'il y a d'intéressant dans le coin ? Allez, vas-y. Qu'est-ce qui se passe ici ? Eh bien, vous avez vu les ambassades. Pas grand-chose à dire là-dessus. De l'autre côté du pont, il y a la banque, le bazar et l'établissement de Shaira. Si vous n'avez pas entendu parler d'elle, ça ne va pas tarder. Si vous cherchez du matos, il y a les halles du niveau en dessous. Et côté distraction, je vous conseille l'électron libre ou l'antre de Coras. Qui c'est, Shaira ? La favorite. Elle divertit les clients qui peuvent se payer ses services. C'est une prostituée, non ? La plupart des diplomates et des ambassadeurs sont passés sur... par elle, à un moment ou à un autre. C'est une prostituée. C'est une femme très puissante, mais surtout très respectée. Non mais dis-le que c'est une prostituée, quoi. L'électron libre et l'antre de Coras, là...
C'est quel genre de boîte? L'Electro fait Casino et Nightclub. C'est plus animé qu'ici. Pas difficile, remarquez. À l'antre de Coras, par contre, disons que c'est vivant et mortel, le tout à la fois. D'accord. Au revoir. À bientôt, commandant. Bonne journée à vous. Et cette espèce-là, on peut pas leur parler. Bon. À moins que ce soit une espèce muette et qui parle que par télépathie, enfin, je sais pas. C'est fort possible, hein, après tout, vu tout ce qu'on peut faire. Faut s'y attendre. Donc, la mademoiselle Shaira, ou madame, hein, allez savoir, hein, peut être prostituée et être mariée. J'en suis sûr que c'est une prostituée. Hein. Enfin, je sais pas pourquoi je dis ça, mais j'en suis sûr et certain, quoi. d'être donc du autre côté du pont, en face de l'ambassade. Donc ici, c'est l'ambassade. Et donc, elle est par là. Elle est en dessous, là? Ça, c'est le niveau en dessous, ça. C'est ce sens qu'on dit avec l'ennemi. C'est également là où se trouve la baie des marges et d'urgence. Et comment on fait pour se retrouver en face? C'est avec ça? Je possède 20 000 datari. Ben, c'est parce que je me suis regardé Star Wars 1 il y a pas longtemps et quand j'ai entendu cette phrase, ça m'a fait tellement rire, je sais pas pourquoi. Les Atari, ça me fait penser aux consoles Atari, du coup. C'est con, mais bon. J'ai un petit délire dessus, du coup. Donc, peut-être par là, pour passer devant. On se balade, hein. De toute façon, faut bien visiter et essayer de connaître la carte un peu. Même si la carte... Avina? Attends, il y a deux Avina? Ah non, c'est d'accord, c'est... Ouais. Le bazar, la banque, quartier de la favorite... Ah, elle est là, d'accord. Donc c'est bien, je me dirige bien, alors... Ah oui, il y avait un raccourci aussi. Ok, c'est pas grave. Ok, je commence à comprendre un peu mieux le jeu. C'est un peu dur, hein, excusez-moi si je suis un peu lent à la détente et tout ça, mais... C'est que quand on connaît pas du tout ce style de jeu qu'on n'a jamais vécu avec, on va dire... Parce que moi j'étais plus du côté Morrowind et tout ça, donc Moyen-Âge et franc-parler, etc. Voilà. Alors on va voir si tous les volus se sont pareils. Qu'est-ce donc? Un être humain? Et célèbre avec ça. Vous êtes le dénommé Shepard, c'est exact? Roger Shepard, à votre service. Ah, je déconne. Le récit de votre survie lors de la tragédie d'Akuzé est vraiment remarquable. Je suis ébahi à chaque fois que je l'entends. On se connaît? Je n'ai pas l'honneur de vous connaître. Pardonnez-moi, être humain, je m'appelle Barlavon. Mon travail nécessite que je sois toujours bien informé. Il n'y a pas de souci, mon grand. Je suis le conseiller financier de nombreux clients importants ici à la Citadelle. Quand une personne de votre rang arrive sur la station, ça ne peut pas m'échapper. Ah. Parlez-moi de votre métier. La finance galactique est incroyablement complexe. C'est un magma de lois et de règles établies par des dizaines d'économies interstellaires. Je suis spécialiste dans les relations entre ces économies. Mon expertise est au service de mes clients, moyennant finance, bien sûr. Je propose aussi un forfait spécial aux clients qui ont besoin de discrétion dans leurs affaires. Efficacité et discrétion, telle est ma devise. Et c'est légal? Ça m'a l'air louche, tout ça. Tout ce que je fais respecte scrupuleusement les lois sur le commerce interstellaire. Là n'est pas la question. La confidentialité est le maître mot de ma profession. Imaginez par exemple qu'un ambassadeur à Nari demande au conseil de réduire les droits de douane sur les produits de son espèce. De quoi aurait-il l'air s'il avait des parts dans une société d'exportation à Nari? Même s'il voulait réellement aider son peuple, il serait accusé de déposer une requête pour son profit personnel. Je peux faire en sorte que ses propres intérêts restent confidentiels. Comment c'est possible? Ça m'a toujours l'air illégal. Alors je vous souhaite de ne jamais connaître les affres de la richesse. Ça, de toute façon, rien que dans notre monde réel, ça se passe comme ça. Comment va la vie ici, à la Citadelle? Cette station est sans aucun doute la plus grande merveille de cette galaxie. Une véritable prouesse technologique.
Mais sa véritable splendeur ne réside pas simplement dans sa structure et ses moteurs. Du Présidium au secteur, toute cette station est un témoignage de la réussite du Conseil. Toutes les ethnies de l'espace concilien y sont unies en une seule et puissante communauté. Qu'est-ce que le Présidium a de si extraordinaire ? C'est le centre politique de l'espace concilien. 80% des espèces intelligentes connues dans la galaxie reconnaissent l'autorité du Conseil en matière d'affaires interstellaires. Mais seules les espèces les plus puissantes et influentes ont une ambassade au Présidium. Ce niveau de la station est réservé à l'élite, Shepard, à des gens comme nous. Qu'est-ce que le Présidium a de si extraordinaire ? Mais seules les espèces les plus puissantes... À quoi ressemblent les secteurs ? C'est le cœur de toute la culture galactique, palpitant au rythme de millions de citoyens. Des dizaines d'espèces y sont représentées. On ne sait jamais ce qu'on va rencontrer dans les secteurs, commandant. Cet endroit regorge de surprises. Heureusement, la plupart sont plaisantes. Bon, mais d'accord. Mais au revoir. Je dois y aller. Au revoir, commandant. Ok. Et donc là, on est dans le bazar. C'est là où il y a tout ce qui se vend un peu, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, on est très heureux de vous accueillir dans son bazar décadent, humain. Qui êtes-vous ? On s'appelle Delaninder, mais ici, nombreux sont ceux qui préfèrent utiliser le diminutif Delan. Prenez tout votre temps pour examiner les superbes et précieuses marchandises à vendre. Qu'est-ce que vous vendez exactement ? Tout simplement les articles les plus raffinés et luxueux à la portée d'une bourse. Il lui est possible de se procurer quasiment tout ce que désirait l'humain, moyennant un certain coût, bien entendu. C'est des affaires. Pourquoi dites-vous toujours « on » en parlant de vous-même ? Pour la même raison qui pousse les humains à poser autant de questions. Cela fait partie de sa culture. Pour dire la vérité, les Anari n'utilisent la première personne qu'en famille ou entre intimes. Et nous le faisons rarement avec les autres espèces. C'est notre culture. Qui êtes-vous ? On s'appelle Delani. D'accord. Je croyais qu'il allait se présenter un peu plus. Examiner les superbes et précieuses marchandises à vendre. Montrez-moi vos articles. Oh, bien entendu, avec la plus grande joie, humain. Vous ne serez pas déçu. J'ai standard. Alors, j'ai 1430 Atari. Vendre des trucs Excusez-moi. Je vais même me moucher un peu. Je retrouve mes mouchoirs. Est-ce que je les ai foutus ? Alors. Bon, un peu plus tard, allez. Donc ça c'est les achats, les ventes et les rachats. Ah, comparer, voilà, c'est ça que je voulais voir. Ah, les armures lourdes, on peut les prendre alors. Par contre, contre la protection des biotiques... Bref. Armure lourde de Krogan. J'ai ça, non ? Ah bon. Ça, je vais le donner à Ashley. Et putain, mais j'ai les équipements des autres à faire, du coup. Oh là là ! Ça, je savais pas. Bon, c'est d'ailleurs bon.
réparer. D'accord, donc en fait, elle, je peux pas encore le porter. D'accord. Commandant, ces salutations. Montrez-moi vos articles. Oh, bien entendu, avec la plus grande. Je peux pas le comparer, d'accord. Là non plus, là non plus. Ok. Donc en fait, tout ça là, tout ce qui est fusil à pompe et tout ça, là, je peux le vendre déjà. Mais pourquoi là maintenant il. J'ai regardé tout à l'heure, ils voulaient. Ah, peut-être parce qu'ils peuvent pas le prendre, d'accord. Je vais le vendre alors. L'armure lourde, je vais la garder. Est-ce que c'est bon par rapport à la mienne? Pourquoi? Pourquoi j'en suis pas équipé? Je croyais que j'en étais équipé. Ah d'accord, celui que je peux... D'accord, objet équipé, objet sélectionné, ok. Ça y est, je comprends un peu mieux. Il faut que je comprenne un peu mieux les trucs, en fait. Et je peux pas m'en équiper parce qu'il me manque des trucs, ok. Ah désolé, hein, il faut que je... Commandant, je fasse c'est parti. Merde. Revenez vite, on reçoit de nouveaux arrivages régulièrement. Oui, mais je veux te parler avant. Commandant, ces salutations. Montrez-moi vos articles. Oh, bien entendu, avec la plus grande joie. Ok. Ah ouais, putain, il faut que je... Ah putain. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Williams, je l'aime beaucoup, donc du coup, je l'équipe des meilleurs trucs. Ouais. D'accord. Ok, donc là, c'est bon. Tout y est. Commandant, ces salutations sont prêtes. Montrez-moi vos articles. Oh, bien entendu, allez. Alors, nous allons vendre tout ce qu'on a déjà. Voilà, fusil d'assaut. Voilà. Pistolet, normalement, ça doit être bon. Ouais, c'est le plus pourri. Hop. On peut pas le comparer. Ça, ce sont des modules que j'ai, alors. Ah, attendez, du coup on va les équiper. Comment on fait pour les équiper? Peut-être les autres qui peuvent. Ah bah oui, c'est là, voilà. On va améliorer son armure. J'ai pas d'autre. Okay. Commandant, ces salutations. Montrez-moi vos articles. Oh, bien entendu. Alors. Donc j'ai 1919. Tout coûte 2000 presque. T'as les armures lourdes, je peux pas les porter encore. Ok. D'accord. Donc les armures se voient en apparence. Enfin, il y a une différente apparence à chaque armure. Ok. Bon, ben on va commencer à aller voir du coup la favorite. Dommage qu'on n'entende pas les conversations auxquelles on passe à côté parce que bon, ça fait un peu moche. Bon, là, on monte bien... Ouais, c'est bon. Ce boule que j'ai. C'est rien, ça.
Moi, ça fait 5 fois qu'ils me mettent le foutoir dans mon bureau. 5 fois? Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce que j'en sais? Les veilleurs n'expliquent pas ce qu'ils font. Et pourtant, tout le monde les laisse faire ce qu'ils veulent. Comme si on avait le choix. Si on essaie de les en empêcher, ils se désactivent et il y en a un autre qui se pointe. C'est quand même étrange qu'on sache si peu de choses sur eux. Frustrant, surtout. D'accord. Alors, voyons voir cette favorite. Bienvenue. Mon nom est Mélina. Je ne crois pas que vous fassiez partie des clients attendus aujourd'hui. Voulez-vous postuler pour un rendez-vous avec la favorite? Je ne peux pas simplement aller la voir. Malheureusement, non. Comprenez bien que la favorite reçoit de très nombreux clients. Si vous voulez me laisser votre nom, elle fera tout son possible pour vous accorder une audience. Que faites-vous ici, Nelina? Je suis l'une des acolytes de la favorite. La plupart des gens ici, aujourd'hui, ne verront pas la favorite, mais ils attendent le même service. Notre travail consiste à faire en sorte qu'ils quittent ce lieu satisfaits. En quoi consiste ce service? Chaque acolyte a des capacités qui lui sont propres. Certaines d'entre nous apaisent par le chant, d'autres par la conversation. Nous essayons autant que possible d'associer les compétences des acolytes aux attentes de nos clients. Ma spécialité est le toucher. Du bout des doigts, je peux trouver chaque point de tension de votre corps et le libérer. Intéressant. J'aimerais profiter de vos services. Parfait. Je vous rajoute sur la liste d'attente et nous nous reverrons d'ici, voyons, 3-4 mois. Cool. Personne ne vaut la peine qu'on attende aussi longtemps. Ce n'est pas à moi d'en décider. J'ai noté votre nom, nous vous recontacterons. Désirez-vous autre chose? Qui est la favorite? Que fait-elle? C'est difficile à expliquer. Elle représente beaucoup de choses pour beaucoup de gens et elle apporte à chacun quelque chose de différent. Certains la voient pour ses conseils, d'autres pour sa conversation, d'autres encore pour le plaisir. C'est bien ce que je pensais. Nos clients ne savent pas ce qu'ils cherchent avant qu'elle ne leur fasse découvrir. D'après ce que vous dites, on dirait une sorte d'oracle. Non, pas au sens où vous l'entendez. D'accord. Ce n'est qu'une femme, mais une femme dotée d'une grande compassion et d'un esprit généreux. D'accord. Je vous conseille de la rencontrer afin d'en juger par vous-même. D'accord, en fait, c'est une sorte de psychologue aussi, quoi. J'ai plus rien à faire ici. J'espère vous revoir dans un avenir proche. C'est toujours un plaisir de... Nelina? Ah. Oui, Shaira? Fais monter le commandant, je souhaite lui parler. Montez. T'es juste à côté? Oui, bien sûr, madame. La favorite semble vous avoir remarqué. Elle souhaite vous voir tout de suite. Bien sûr. Où dois-je aller? À l'étage. Elle vous attend là-haut. D'accord. Bah dis donc. Même les humains trouvent la favorite irrésistible. Et du coup, il y a des femmes aussi, hein? C'est ma première fois. Je me demande pourquoi je ne suis pas venu avant. Bienvenue. C'est un plaisir de vous voir. D'accord, donc elles sont toutes... ok. Vous faites partie de l'Alliance. Mon frère est soldat sur Terre. Oh. La favorite est formidable. Elle a un don hors du commun. Non, c'est à droite pour dire rester là. Ouais, parfait. Comme ça, ils me suivent pas. Si jamais il y a des choses qui se passent, j'ai pas envie qu'ils y voient. N'approchez plus, commandant. J'ai beaucoup entendu parler de vous depuis votre arrivée à la Citadelle. Que voulez-vous? Vous vouliez me parler? J'ai un problème qui nécessiterait votre expertise. J'écoute. Je peux peut-être vous aider. L'un de mes amis est un général turien à la retraite nommé Septimus. Sans rentrer dans les détails, disons qu'il attendait de moi plus que je ne pouvais lui donner. Depuis que nous sommes en froid, il passe tout son temps à l'antre de Coras, à boire sans fin et répandre des calomnies à mon sujet. Si vous pouviez lui parler de soldat à soldat, je crois qu'il vous écouterait. Que s'est-il passé entre vous deux? Par respect pour sa vie privée, je ne rentrerai pas dans les détails. S'il souhaite vous raconter ce qui s'est passé, c'est à lui de le faire. Ouais. Que voulez-vous que je lui dise exactement? Faites appel à son sens de l'honneur.
Rappelez-lui son statut de général. Si vous parvenez à le convaincre d'arrêter de me calomnier, je vous en serai très reconnaissante. Sur ce, je dois vous demander de prendre congé. Nombreux sont ceux qui m'attendent. D'accord. Elle est un peu... Comment on dit ça ? Très touchée, hein, on dirait. Elle aime bien... Elle aime bien être proche, dis donc. Je crois qu'on va falloir la calmer un peu, quand même. Très franchement, je suis un peu nerveux. C'est compréhensible. On ne sait pas à quoi s'attendre la première fois. Ce n'est pas ce que je veux dire. On dit beaucoup de bien de la favorite. C'est juste que... L'inconnu nous contraint à quitter nos repères, à nous rendre vulnérables. Tout à fait. C'est exactement ce que je voulais dire. Bien. Dans ce cas, nous pouvons commencer. Ok. Et donc, l'autre, il est où, du coup ? Véhicule boutique, destination coéquipier électrique, minerai, point d'intérêt, anomalie, débris, analyser, transition. Bureau de l'intérêt, bureau de congé, salon des ambassades. Oh ! Ça, j'ai fait. Ça, on peut le choisir, ouais. Du coup, est-ce que ça a mis... Est-ce que ça a mis la quête? C'est ça que je voulais savoir. Je sais pas comment j'ai fait pour trouver ça là. Ah, j'essaye de voir où est-ce que j'ai fait pour choisir les cartes, les trucs, mais... Oula. Calme-toi. Oula, calme-toi. Donc désolé, j'appuie sur tous les boutons pour me repérer un peu. Oula. Ah, c'est J, d'accord. Donc il se trouve où, en fait? Déjà, il se trouve à l'antre de Coras, dans les secteurs inférieurs, tissu des lieux de propager les rues. De propager des rumeurs sur la favorite. Donc faut aller au niveau. Faut aller au niveau inférieur. Donc c'est ça, si j'ai bien compris. Et secteur inférieur. À l'antre de Coras. Comment on fait pour aller en dessous? Peut-être là. Ah ! D'accord, quand je clique dessus... Je fais comment pour aller en dessous ? Et si je fais ça. Accès au secteur. Donc là je vais au secteur inférieur. Et vous adresser au conseil pour obtenir accès à cette zone. Ok. Il y a
Est-ce que je peux aller à l'antre de Coras, au moins? Quartier de la favorite. Quartier des finances, ça ne m'intéresse pas. On va attendre Citadelle pour voir. Sa reine cache quelque chose. Accordez-moi un délai supplémentaire. Essayez de gagner du temps. Gagner du temps avec le conseil? Ne soyez pas ridicule. Votre enquête est terminée, Garrus. T'es un spectre? Commandant Shepard, Garrus Vakarian. J'étais responsable de l'enquête du SSC sur sa reine. Qu'avez-vous découvert? Vous avez découvert quelque chose qui peut m'intéresser? Sa reine est un spectre. La plupart de ses activités sont classées top secret. Je n'ai rien trouvé de tangible. Mais je sais qu'il prépare quelque chose. C'est viscéral, comme disent les humains. Je crois que le Conseil est prêt à nous recevoir, commandant. Bonne chance, Shepard. Peut-être qu'ils vous écouteront. Bon, on va arrêter ce live ici. Je continuerai sûrement ce soir. Voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne bourrée, une bonne baise. Portez-vous bien et surtout n'oubliez pas, au plaisir.